Quoi, on m'entend? On m'espionne? C'est ça, vous êtes sur Ah! écoute. Maître! Boyoud! Coupez le courant! C'est ça. Comment tu vas, le sage? Bah voilà, comme je disais à ceux qui me posaient la question précédemment, c'est que je vais bien, merci. J'espère que vous toutes et toutes aussi également. Mais que j'ai une fatigue intellectuelle due à une formation intense que j'ai eue cette semaine. Donc je vais heure après heure, je vais me réintégrer dans les jeux, voilà, redevenir comme vous me connaissez. Là, ces premières heures, je pense que j'étais un peu assommé, mais faut pas s'en faire. Ouais, faut pas s'en faire. Quand il joue à Starbound avec moi, ça le réveille vite. Mais oui. Ah, puis voyons la mamie Nova de l'espace là, elle va encore enfin nous faire déjanter, je pense. Bah, déjà, il faut qu'on finisse de scanner les trucs là. Aussi, parce que ça, on n'a pas fini. On n'a toujours pas trouvé les Je derniers scans. rigole déjà. Alors attends, contact, faut que je retrouve pour faire me joindre ton serveur. Rejoindre la partie. Let's Ah, go j'ai to bien the pensé, je me party. suis bien mis en ligne avant de lancer tout ça. J'ai vu, c'est bien. Tiens. Tu oublieras pas de remettre ta scène comme il faut pour Merci stream. petit Seb. Et ben voilà une bonne. Tu m'étonnes. Merci, voilà une excellente remarque. Ouais, donc le Starband, il va s'afficher dans 10 minutes en haut de l'écran. Est-ce qu'on voit mon horloge? Ouais, elle bouge. Non, mais t'as raison, parce que j'y pense pas. La caméra a pas lâché, c'est génial. Ouais, bah non, c'est bon, tout est ok. Tout est Mmh, des bananes. ok. C'est la banane, c'est la banane. C'est la banane, c'est la banane. Et je ne sais plus du tout ce que je faisais. J'étais dans Ça fait de la mon. déco et de la déco et encore de la... et t'avais fait commencer à faire ton rail. C'est ça. C'est exactement ça, c'est le métro, là où je suis. Il va falloir que je me réapproprie les touches parce qu'évidemment, ma mémoire a été effacée. Qui a fait ça? C'est les Men in Black, ils sont Merci! où? Ouais. Merci Ronnie d'être passé. Bisous, bon week-end à toi. Bon courage si tu fais ton service taxi. Merci d'avoir été là. Et puis bonjour à tous, hein, chez le sage aussi, hein, faut pas Ben oui, oublier. bonjour à toutes et toutes. On est là pour se voir l'accès. Eh oui, effectivement, je faisais le métro, chétro, Métro, boulot, dodo. Ah, ça va, ça revient assez naturellement. Comme quoi, je peux m'enorgueillir d'avoir un cerveau encore en bon état. C'est bien. Ah, t'es en week-end, Ronnie. Eh ben, c'est bien. Bon repos à toi. C'est cool. Ah C'est ouais, cool, c'est cool. bon repos, repose-toi bien là. Lundi, ça va piquer. Ah, ouais. Ah, ben, moi, sur Nancy, on a eu chaud parce que. J'en Oh, parlais m'en parle justement. pas, c'était horrible. Ah oui, toi, t'en as bavé. J'en parlais avec mon Ouais. formateur hier sur Nancy. On était parti pour avoir lundi tout le réseau de transport en commun en grève. Évidemment, ils avaient stratégiquement pour faire suer le monde et peser, déposé leur préavis de grève pour la rentrée. Et finalement, un bulletin d'info local est tombé hier soir. Un accord a été trouvé avec 150 euros de plus par salaire par mois, machin. Ah, préavis de grève levé. Wouh! Soulagement. Donc toi, ça a été dur pour toi? Ah, il a fait extrêmement chaud, j'en pouvais plus. Hein. Ah Déjà à merde. midi, j'en pouvais plus. Je suis rentré, puis hier soir, j'aurais pu stream. Et non, j'étais pas bien et tout. J'ai fait, allez, c'est bon. Hop, rien ce soir. Pardon. Aïe. On va faire ça avant qu'il fasse des bêtises. Bah, tu sais que j'ai, oui, comme toi, j'ai construit sur ma première planète. Yep. Mais j'ai construit juste à côté du guide. Tu vois, celui qui est devant la première cave là.
Et là, il était sur ma trappe rotative, du coup, je l'ai balancé en bas. Ah. Voilà, ça m'a fait rire. Mais j'imagine. Vous êtes le meilleur. Bon, j'ai quand même fermé la grotte pour pas qu'il aille se balader, pour pas qu'il aille se balader et se faire tuer. Hein. Je suis pas, je suis pas méchant à ce point-là. Sûr. Attends, je vais détendre mes jambes là parce que ça fait un petit peu de temps que je les ai encroisées sur mon siège et le sang circule plus, c'est pas bien. Alors, volcanique planète. Oui, donc il me reste ça. Volcanique planète. Oui, il y a les planètes volcaniques avec le. Mmh. Alors, j'avais laissé un drapeau là où j'en étais. Alors, traquer la. Ah oui, les glitchs. Ah oui, effectivement, on n'a pas la barre remplie. Elle est à 85%, mais manque de 3 trucs. Ou un gros objet culte de la culture glitch. Je sais pas pourquoi, mais je crois que tu peux être certain que le boss en fait des glitches, je le devine, ça va être un là le coup de la lance qui t'a fait peur plus long que le perso, le chevalier Bayard là sur son cheval. Et tu vas voir qu'ils vont nous foutre dans une arène de tournoi. Et il va falloir s'en coltiner 6 à la suite, que ça m'étonnerait pas. Avec chacun évidemment des spécificités, un pattern très particulier. Ce serait ça chez des glitches que. Ça m'étonnerait que ça t'étonnerait pas. Du tout. Ah ouais. Oh, bah j'ai retrouvé le Pokémon que tu m'as offert là, l'espèce de Pokémon flamme qui sort du parquet, c'est complètement délirant. C'est vrai qu'il est rigolo celui-là. Évidemment, tous mes locataires veulent m'offrir des cadeaux. Oh, bien, l'autre, il m'a offert des graines de baies pour faire du risotto, là. Très bien. C'est apprécié. Mais non, mais j'avais une cuisine, moi. Je cherche à faire de la cuisine. Ah oui, elle est là, que je suis bête. Oh là. Bonjour, Captain Morbid. Waouh, 400 de tunas. Il est généreux, Captain Morbid. Ah, alors, il y a des recettes dans le jeu, il faut franchement pas négliger les effets que ça donne quand tu les consommes. Là, je sais que je me fais des parts de tarte de je sais plus quel truc extraterrestre en ingrédient. Ça va me donner la pâte d'ours rouge, ça veut dire que mes coups vont être plus violents. Je vais avoir un bonus d'attaque. Ça, c'est le genre de truc à bouffer juste avant d'entrer dans l'arène de combat, tu vois. Histoire de bien défoncer tout le monde. Yeah, je veux faire ça. La. Ah, j'ai éteint la torche. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, bah du coup, je suis mon égoïste. C'est-à-dire que la bouffe que je viens de préparer, je la garde pour moi. Histoire d'avoir la barre de vie et de faim toujours à donf. Est-ce que je plante les baies? Évidemment, je ne sais plus non plus comment j'ai organisé mes champs. Ah, j'ai quand même 4 parcelles de blé. Waouh, enfin tu me diras, le blé, c'est tellement tout. Ça, c'est le cacao, ça, c'est le sucre. Ça, c'est les tomates, je crois. Ouais. Ça, c'est le piment, les carottes, et j'ai rien d'autre. Ah merde, j'ai pas tout planté. Ah bah merde alors. Et dans les frigos, j'ai ça. D'accord. Alors, justement, en parlant de bouffe, mon perso commence à avoir faim. Voilà. Ah. Ah, mon épaule. Pardon, les mangeaisons en direct. Eh.
Ah, mon membre d'équipage qui a sa robe de mariée. Ah, lui, alors lui, je l'adore. Il est parfait. La petite poule qui a pondu sa pile. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le frigo là? Il est vide. Ok, là j'ai que puique. Là j'ai. Ah non, c'est des armoires, pas des frigos. Et j'ai un gros boxon dans les J'allais dire, on est armoires. d'accord qu'eux sont pas méchants, mais si, ils me tirent dessus dès que j'arrive. Dès que j'arrive. Et moi j'étais au-dessus de quelle planète? Parce que je suis endormi d'une planète, je sais même plus laquelle. Et évidemment. Je suis. Ah oui, là où il y a les deux belles lunes et que c'est un. Je crois que c'est un océan frigide. C'est la planète iceberg là que j'ai. Attendez voir. Je vais peut-être sortir armé, c'est peut-être plus prudent. Oh! Pour un instrument de musique. Mais comment. Comment il y a du recul pour les ennemis quand je tire mon fusil à pompe à chevrotine? C'est la violence. En plus, comme il y a un effet poison sur la chevrotine, je les tue lentement. Là, je viens d'avoir une scène rigolote. J'ai tiré sur un piaf. Et au bout d'un moment, alors il a voulu se barrer, mais comme il était empoisonné, il est mort plus tard. Et j'ai eu un paquet de pixels qui est tombé du ciel. Ah, ça ferait une pluie de rêve, hein. La pluie tunasse. Il y avait eu une scène de panique, enfin de désordre une fois aux États-Unis d'Amérique. Il y avait un mec qui avait une mallette en billets de banque d'1 million de dollars et qui s'était ouverte au vent. Et tout le monde qui courait dans tous les sens pour récupérer un max de billets dans le quartier. C'était vieux, hein, il y a des années, mais ça me rappelle l'anecdote de presse. Les faits divers à travers le monde. Bon. Bah. Oui, non, c'est plus tard que je vais revenir ici pour. Comment on appelle ça? Pour miner. Je vais, comme toi, je vais essayer de chercher un environnement glitch pour déverrouiller le boss. Où est-ce qu'on pourrait. Je suis sûr que dans mon index de téléportation, j'ai une planète qui correspond. Encore que j'ai pas tant de références que ça. Je crois que j'en ai Non, parce que plus. c'est les Fiery Star et sur les planètes volcaniques. Ah bah tiens, je tombe sur une base glitch comme j'en avais trouvé un une fois là. Celui qu'on avait visité d'ailleurs. Excuse-moi, tu peux me faire un joint, s'il te plaît? Enfin, m'inviter à te Ah oui. rejoindre. Merci. Parce que j'aimerais me téléporter à côté de toi, mais je peux pas. Merci. Merde, qu'est-ce que je fais? Oui, non, c'est pas grave. Attends, faut que je quitte mon flingue parce que. Oh, j'adore ton animal de compagnie. Et donc. Ah oui, puis il y a le mécano. Trop drôle. Oh, j'ai pas regardé. Attends, merde, je pars au combat, mais j'ai de la tunasse sur moi. Ah oui, j'ai 4000. Merde, oh non, banque, banque, banque! Banque. Ne surtout pas partir avec la thune sur soi. 4000, c'est que dalle. Oui, bon, hein, hein, bon. Ah, En c'est fait, je comprends pire. pas qu'avec tous tes champs, t'arrives pas à te faire plus de thunes que moi. Oui, mais ça viendra, ça viendra. C'est parce que j'ai pas encore atteint mon seuil de rentabilité ultra. C'est un. Hein, ça Ultra aussi, faut que pété. ça pousse. Merde, elle est où ma machine de banque de Attends, pixels? Quoi? tu veux pas juste te TP sur moi vite fait? Parce Bah que j'ai posé si. un drapeau, comme ça tu te prends le drapeau et tu pourras te TP dessus. Ah, voilà une idée qui est bonne. Attends, bouge pas, je sors en extérieur pour avoir te capter. Merde, je sais plus, je suis téléporté sur ton vaisseau, mais me téléporter à côté de toi, c'est. Depuis le téléporteur. Depuis le téléporteur. Ah oui, exact. Merci.
Ok, bien vu, merci. Ok. Alors, moi, faut que je retrouve ma machine à banquer en pixels, là, l'espèce de tapis roulant. Je l'avais. Ou alors je vais chez toi et puis merdoum. Oui, je vais faire un layup. Ce sera plus simple pour moi de passer sur ton vaisseau et ranger ma banque dans mon vaisseau. Allez, let's go. Je veux pas perdre la thunasse. Tiens, c'est marrant. Je peux pas dire. Bonjour Olive qui tue. Alors, j'espère que tu vas bien. Bonjour Olive qui tue. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Hop, je vais mettre ma tunasse là en attendant. Ça aussi. Oh, c'est vrai que j'ai plein de trucs que j'ai pas rangés une fois de plus. Bouquin, clac clac clac. Oh, j'ai le fameux casque glitch horrible. Ouais. Ouais. Alors, le repère du dépôt. Ah! Sauf qu'il peut, il y a le cheval. Ah! Allez mec, t'es coincé, t'es trop grand, là la l'air, là la l'air, là la l'air. Oh bah t'es mort le cheval. Le cheval, c'est pas génial. Je suis pas allé loin, hein. On commence par cette tour-là? Copain! Moi aussi je t'aime pas! Quelle Alors, est-ce qu'il y a des choses à honte! scanner ici? Je sais plus si je l'avais la braise. Ouais, j'avais appris la braise. Attends, 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 attends. Quoi, attends, attends. Laisse-moi-en un parce que je sais pas si moi je le dois pas l'avoir, je crois. Ah, d'accord. Attends, bouge pas. En Merde. voisin, Oui, mais je envoie-le. sais plus comment on fait. Ah oui. Faut qu'il Eh retourne bah ses oui. touches, c'est vrai. Bah oui, voilà. Donc je sais Bah pas, je suis. pose-la. Attends, j'ai pas. Ah oui, mais oui, t'as raison, c'est plus simple. Oh, on va y arriver. Donc. Vas-y, prends-la. Et du coup, tu l'avais ou pas? Ah, Bah voilà. apparemment oui, mais en fait ça doit pas s'apprendre, je Ah pense. bon. Bon. Oh, il y a un flingue. Ah, celui-là, il fait de la. Je te le laisse. Oui, merci. Il est rigolo. Il est rigolu. Ça, j'avais. Ah non. Ah, les murs. Ah! J'avais pas ce qu'il y a Ah, un mieux. bouquin qu'on n'avait pas. Oh! Ah tiens, attends, je te les mets tous dans l'armoire en bas à droite. D'accord. Comme ça. Merci. Oula, attention, Ah, il peut t'as y avoir un faim. cheval ici. Bah oui, mais t'as faim. Ouais, occupe-toi du cheval d'abord. Oh, il est beau! Tu disais? On a truché des chevaliers bayards, la la li la la la. Ah, Rooster, bonjour Rooster. On fait aller, dit Salut Olive qui héros. tue, ouais. Bon, bah j'espère que tu vas te ressourcer, te reposer ce week-end, Olive. Oh vache, c'était. Oh la vache, le jet qu'il a eu. Ah mais ils sont doués avec leurs flèches. Ouais. Tiens, il pleut des cendres dehors. C'est. Ouais, vraiment volcanique. Ah. Ça j'ai déjà dit, c'est l'heure de faire dodo. Bah voilà, autant profiter de la caserne. Attends! Mmh.
Oh oh. Lui, il va me faire rire. Ah, cette ambiance psychédélique. Ouais, tout le monde va bien, c'est cool. Enfin, dans l'ensemble. C'est bien. Oula, c'est quoi ce meuble là? J'ai pas mis d'attaque. Tiens, prends ma roquette dans la gueule, enfoiré. Hop, du poulet. Bon, dans ce côté-là, y'a rien. Je sais pas, le gars il est pas revenu. Ah! Il était parti sur ta gauche? Oui. Il est tombé, enfin, pas dans les limbes, mais il est retombé dans les pièces en dessous. Ouais. Il a fini par arriver jusqu'à moi et. Ah, je crois qu'il est mort du coup. D'accord, c'est pour ça que je la vois plus remonter. Je me disais aussi. Ouh, il fait mal lui. Oh, lui, il va me buter. Oh la vache. Eh oh, le... oui, merci, parce que l'inventaire qui reste en plein écran. Mais t'es où? Trop haut. Ah, je suis en duel contre le roi en fait. Elle est bonne. Le pauvre, il s'en prend plein la gueule. On s'en fout. Oh, il a donné un super bandage. Alors par contre, j'ai récupéré un truc de malade. Une arme unique. L'œil du démon. Enfin, l'œil, Evil Eyes. Oui, c'est quasiment l'œil du démon. L'œil démoniaque. Alors, dommage par coup 5. Énergie bouffée par coup 4-3. Il y a un mob là. C'est un flingue légendaire, je sais pas, je vais essayer. Ça fait viens, il y a un truc à scanner en dessous. Putain, c'est... Pardon. C'est très con. Ça me... Waouh, c'est très original. Attention. Ah. Passe de l'autre côté. Oui, passe à droite. D'accord. Voilà. Non. Ah, la table d'échecs là au milieu à scanner. Oh bah, et ça nous finit en plus. Oh, c'est cool. Quoi, cette table d'échecs est curieuse, les pièces sont toutes. Faites main. Oui, quoi. Les théories sont correctes. Ouais, bref, Mamie Nova de l'espace, elle sait que. Où ils sont. Ah, tu m'as raté. Là, tu m'as pas raté. T'approches pas. Elle est trop bizarre, cette arme. Moi, j'adore, hein. Perso. Tu veux l'essayer? Enfin, oui, je sais même pas comment on fait pour donner, mais... Ouais, on verra plus tard. Ouais. Là, on est en l'air, ça risque de tomber en bas, en plus. Là, c'est lui qui est tombé en bas. C'est n'importe quoi, ce flingue. Ah, c'est trop drôle. Bah, je suis tombé, j'ai dévissé. Alors que je rentre, je me téléporte parce que là, je vais quick. Hop. Régénérescence dans le plumard. Alors, pardon, je suis un vilain. Sur mes 4 biscuits petit-déj, j'en ai croqué que 1 ce matin. Donc, je vais honteusement... Déjeuner devant vous, je vais prendre mon petit déj. Hey, saloperie.
coup, c'est quoi ça? Atomic Barrage. C'est pas drôle, il est même pas puissant. Triste. Il est... Moi, je trouve un bazooka marqué Atomic Barrage, je dis ouais, cool. Et bah non, c'est de la merde. Ah, dommage. 20 points de dégâts en moins du mien, je fais bah non. Oui, je me restaure, Olive. Ouais. Je me restaure. Elle pêche, Olive. Je vais aller m'entretenir avec la mamie Nova de l'espèce. Bonjour, la Jed. J'adore, il fait le. Tu sais, il me sort l'émoticône du mec qui a atterri, qui fait spalm, comme on en dit en anglais, là. La main bien large sur le visage étalé. C'est comme ça qu'il se manifeste à moi. C'est, je suis déjà atterré par ce que tu dis et ce que tu fais. Alors, les coordonnées des... Quoi? Ah, alors attends. Il se passe un truc. Parce que quand tu valides la quête, non seulement elle va te donner une petite bourse cadeau, tu sais, avec les cotillons, là, en surprise... Mais là, il va se passer un truc. Je te dis pas quoi, mais elle va te donner un truc supplémentaire qui est unique, visiblement. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était la surprise de la mamie Nova de l'espace. Alors que ma poule m'a pondu une pile électrique. Je dis oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était voir le cadeau bonus de mamie Nova. Je suis très intrigué par ce qu'elle m'a attribué. Et je le vois plus, il est où? Bah oui, merde, pourquoi il est pas rangé là? Bah. Où est-ce qu'il est passé son cadeau? Bah. Attends, c'est moi qui suis débile et qui sais pas lire mon interface ou... Putain, je me tuais. Ibi. Elle m'a donné une pompe à pollen. Trop fort. Mais alors là, par contre, j'ai pas capté. Ah, tu disais que tu voulais me garder le secret, mais tu viens de me spoiler là. Comment ça, je viens de te spoiler? Bah, tu viens de me donner le nom de l'objet. Ah bon? J'ai dit quoi? Pompe à pollen. Ah non, non, non. Ça, c'est le... C'est pas dit que t'es le même que moi. C'est... Ça, c'est le truc emballé avec les cotillons. Non, 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 elle va te donner un autre truc. Non, bah, c'est bon. Je dis rien, du coup. Non, je te dis rien du tout. Je te dis rien du tout, parce que là, je suis en train de lire le truc et je flippe. Quoi? Alors, je vous traduirai après, hein. je laisse Petit Seb arriver à moi, enfin, à mon niveau, au niveau de la narration. Hey, je suis pas remords, il me reste combien de PV? Bah, je sais pas, je voyais plus ma barre de vie, donc... Eh oui, mais du coup, j'ai pas de soin. Ah la vache... Bon, ça se régène tout doucement avec la... les armures. On va attendre que ça remonte. Première règle de vie dans l'espace, ne pas paniquer. J'aime bien l'info. Ah bah oui, il faut se reproduire. Ah, pardon. Ah, je suis en train d'apprendre des trucs. Ouais, très juste.
Alors, je pense que c'est. Je sais pas de quel des deux bouquins. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai eu comme bouquin de. C'est vrai qu'il y en a plein que je vous ai pas encore lu. Enfin, que je me suis même pas lu moi-même d'ailleurs. Parce que je suis. On va récupérer une partie du stuff, ça sera déjà pas mal. C'est en même temps, je vous partage les infos. Ibi. Merde, mon perso commence à avoir faim. Alors, la question que je me pose. Ah bon? Ça donne quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, même ça, je demande à le lire parce que. Ah! D'accord. Oh la vache. Alors, je suis en train de récolter des informations sur notre futur ennemi, petit Seb. Ouais, bah moi il faut que je retrouve mon stuff, donc ouais. Ça attendra. Ouais, non mais fait, mais c'est juste que je dois te prévenir que là je suis en train de lire en gros la brève biographie du boss qu'on va se coltiner. Il a une énorme expérience de l'espace, hein, le loustique, il a visité des centaines et des centaines de mondes. Ce qui veut dire qu'il doit avoir le meilleur du matos, c'est, c'est à coup sûr un sac à PV. Comme tous les boss, je dirais, presque. Après, il nous en reste encore au moins deux. Hein. Un pour la prochaine gemme et le boss final. Hein, alors, Ah, tiens, un cœur de téléporteur. Waouh. Le boss est parmi les premiers plus grands aventuriers que la galaxie n'ait jamais connu. Ça calme. La manière dont ils annoncent le truc. C'est un héros retiré. Donc le gars a pris sa retraite. Enfin, le robot, parce que c'est un glitch. Et il est réputé excentrique. Je me demande ce que ça va donner. Eh ben dis donc. Là. J'y vais tout doux. Oula. Ce qui veut dire qu'à l'opposé, il y a un truc. Non. Sérieux? Ah, j'avais même pas vu. J'ai un mob, on dirait un bourreau. Il a un casque noir et tout. Ibi. Eh oui. Évidemment. C'est original ce que je fais. Là, je suis en train d'exploiter un bug. C'est rigolo. Un bug de collision. C'est rigolo comme de. Papari para paparapo. Pipiri pipiripo. Oui, c'est pas grave ça.
Alors, où est-ce que... Ouais, c'est en partie là, mais... C'est quoi mes blocs? J'aurais peut-être bien de les ranger dans ma base. La 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 la. Oui. Je sais pas pour rien si j'ai fait des gros containers. J'ai pour mettre 14 milliards de trucs dedans. Ah là 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 là, le bordel. Le bordel, le bordel. Alors attends, tac tac tac. Ouais, allez, je mets les liquides. Peut-être qu'à terme, je finirai par trouver un. Putain, mais j'ai des animaux partout. J'en ai dans ma cave, j'en ai. Bon, bref. Faudra que je trouve au fur et à mesure du voyage dans l'espace un container, mais qui soit citerne, vraiment le container propre au liquide. Ça ferait stylé que j'arrête de mettre dans les containers, tu sais, de gros navires marchands, l'acide ou le pétrole. Ça fait pas logique. Mais bon. Ah bah, tu sais, moi j'ai du pétrole, du poison, de la lave et de l'eau, tous les quatre dans une caisse. Ouais, d'accord, c'est encore moins logique. Tout va bien. Ah. On fait avec ce qu'on a. Ouah, mais c'est fou le. Je sais plus son nom là. Le. Pas le cousin, mais l'ami du Capitaine Morbide, il me redonne encore des graines à planter. C'est incroyable. Alors pour moi, c'est une aubaine, mais. Ouah. Alors il m'a donné des torches et des pansements. Sacré Capitaine Morbide. Je ne devinerai jamais à l'avance ce qu'il va m'offrir. Il est trop fort. L'oiseau qui essaye de m'attaquer au moment où je me TP, du coup, bah, il tape dans le vide. C'est sûr. Bon, je pense que j'ai à peu près tout récupéré. À peu près. Attends, moi je vide un peu mes poches parce que voilà, j'ai pas besoin de tout. Loin de là d'ailleurs. Oui, ça, c'est un instrument de musique. Music, discothèque, sac à bagues. Merde. Là, j'ai une clé USB là pour le PP qui augmente la vitesse de déplacement et la puissance du saut. Ah, ok. C'est Mais pareil, il comment va j'ai falloir que j'en fait fasse des pour... caisses de Ah, ça. c'est pas vrai, ça, c'est fou. Mais je l'avais peut-être pas faite, la machine banque à compresser les pixels. Parce que là, j'ai... Non, tu t'étais pas pressé de la faire parce que moi j'avais déjà la mienne. Bah oui, donc je profitais, ce qui est pas con, hein. Je profitais de ton matos pour pas moins investir dedans. Oh là là, qu'est-ce qui est devenu grand ton vaisseau? J'ai la folie. Je sais même plus c'est quel Toujours à la truc. même taille qu'avant. La 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 la. Je reviens par le gonga. Si t'as besoin de cœur de téléporteur, j'en ai 10 en réserve. Hein. Wouah! J'ai aucun projet, mais merci de me le dire. Mais j'ai là dans l'immédiat. Non mais c'est pour justement, si jamais t'as un truc, Ouais. Oh, ça viendra peut-être. t'hésites pas. Mais là, tu vois, je suis concentré pour le boss. Et tu vois, je penserai le côté baba cool après, une fois qu'on aura gagné. Attends, je toque. Ce que je vais avoir à vendre, c'est de la folie. Je vais me faire 3 millions de thunes.
Eh ben, c'est tant mieux pour toi. Les instruments, ils sont là. Je commence à en avoir pas mal. Hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13 instruments. Mmh. Alors, pardon. Je m'attends une minute. J'allais me refaire de la flotte. Surtout que je viens de me souvenir que je me suis acheté une boisson de thé glacé pas dégueu en semaine. J'ai pas fini. Que je vais d'ailleurs me noyer avec de la flotte. Histoire de faire durer le plaisir. Alors ça c'est mon instructeur, mon formateur cette semaine qui m'a conseillé le Tela et c'est vrai qu'il est pas dégueu. Il est pas cher en plus. Je crois que j'ai payé 60 centimes la bouteille. Il y avait une promo de malade dessus. Et pas dégueu la boisson. Par contre, il faudrait que je m'organise pour avoir de la flotte. Pardon, je reviens dans deux minutes. Je réfléchis comment je m'organise. Là. Bon, ça, j'aurais dû le jeter hier. Je suis pas malin parce que c'est pas hygiénique. Oh là là, mon truc est dans. Ah non, ça va encore. J'ai cru que le machin était parti dans tous les sens. Attendez, j'ai remis mes écouteurs, je vais vous entendre. Enfin, surtout toi, petit Seb, évidemment. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. Que je réorganise ma table, parce que sinon, il va y avoir un accident. La flotte, je vais la mettre là. Voilà, je vais me servir mon thé. Glashy. Il est bon celui-là. Il ne veut pas m'embêter. Ok. Là, je t'ai déjà dit non. Relax. Bon, ben moi, je suis prêt pour le giga combat. Ouais, je finis de ranger mon stuff. Je vais passer te voir aussi. Pardon. Des trappes là comme la mienne, la ronde là qui tourne. T'en veux une ou pas? Oh non merci, là j'en ferai rien de la plaque d'égout. Mon perso qu'a faim, tu fais chier. Voilà, tais-toi. Faut que je passe à l'outpost, vendre tout ce que j'ai, puis c'est bon après. Ok, ok. Ouais, et que je me prenne une bouteille d'eau accessoirement. C'est trop étrange comme flingue.
En fait, l'idée du flingue, c'est que vous avez quatre yeux qui s'ouvrent, et il y a les globes oculaires qui en sortent. Et c'est... Enfin bref. C'est comme un boomerang multiple. Ouais, enfin bref, c'est... Non mais... Non, c'est pire que ça, c'est que les globes oculaires sont presque autant de grenades. Mais des grenades qui pètent pas, quoi. Mais faut pas se la prendre dans la tronche, sinon t'es touché, quoi. Et puis tu cuic. Non, c'est trop bizarre. Oui. Je vends toutes les armes que j'ai chopées là dans la base. 7900 pixels. Mm-mm. En fait, l'arme est vivante. Quand tu regardes bien que tu t'en sers en boucle, c'est une créature. C'est du délire. C'est du pur délire. T'es à ta base là, non, je suis au début de la mission du boss en fait. Je t'attends à côté du téléporteur d'arrivée. Ah, bon, tant pis. Bah, sinon, tu mets les affaires de côté et puis tu me les passeras à la fin de la victoire, tu sais. Oui. Ça t'inquiète pas. Non, je les garde sur moi. Je pourrais même te les passer pendant la mission. De toute façon, c'est des trucs que tu perds pas normalement. De toute façon, tu perds pas de stuff pendant la mission. Ouais. J'ai bien Olive qui tue qui a fait le poisson là sur mon antenne, mon chat, elle a perdu. J'avais complètement oublié la phrase que j'avais programmée où je dis le joueur a oublié de gérer sa canne à pêche parce qu'il a été distrait par un SMS frauduleux qui lui annonçait avoir remporté un bon de réduction d'une valeur de X euros. Bon là c'est un nombre aléatoire, évidemment c'est trop drôle, j'ai mis 280, enfin ça a donné 297 euros. J'avais complètement oublié que j'avais programmé ça déjà il y a 2 ans. Mais le pire, c'est que, enfin voilà, je suis content, je vous ai trouvé des phrases de perte à la pêche qui sont crédibles. Ça sent le vécu, c'est ça qui est atroce. Oh, viens là, toi. Voilà mes petits, baladez-vous. Mmh. Elle est où ma porte? Elle est là. Je vais la remettre. Je vais leur remettre une petite. Mmh. Vous me gonflez, les gens. Restez là où vous dites de rester. C'est bon. Là, c'est bon. N'importe. Oui. Voilà. Ok, j'aurais pu laisser un peu. On verra plus tard. C'est un vaisseau encore plus grand. Avec toute la thune que je me suis fait, j'ai regardé, j'ai dit, ah, je peux acheter. Bon, attends, je dépense tout de suite, comme ça, de toute façon, j'aurai plus de thune pour la mission. Ah. Maintenant, tu as un vaisseau-mère.
Enfin, c'est peut-être ça d'ailleurs, t'as peut-être atteint le format plus grand que tu peux savoir. Ah, il y a encore plus grand. Oh, yeah. Il est fou. Le vaisseau planète, tu sais, l'étoile noire comme dans la guerre des étoiles. Mais non, parce que, en fait, tu vois, ils m'ont. J'ai la première salle, ensuite j'ai une salle à double étage, une salle à triple étage. Et là, ils ont refait une salle à deux étages. Donc je pense qu'il y a encore une salle à un étage derrière. Oh mon dieu. Ah oui, il y a ça qui me restait à faire. Oh, tu viens. Donc moi, je suis en mode concert. Ouais, ça, c'est bon. Et moi, c'est plus qu'à poser mes blocs. Je sais pas où je devais mettre ceux-là. Parce que des armes étranges, j'en ai deux, moi. Tu sais, là, j'avais la sphère et le bras alien avec ses tentacules. Mm-hmm. Non, oui, j'en vois, oui. Alors, mission, reviking, reviking. Ah mais non, je peux pas aller voir Mami Nova moi encore. Oh yes. Yeah. Eh oui, tu as pas eu le cadeau mystérieux. Que toute la vérité sur l'univers va être révélée. Oh mon dieu. Alors, là, je prépare sérieusement le combat, c'est-à-dire que je vais prendre mon épée, mon... Attends, j'avais quoi, là? Oh, j'avais rien, j'avais la mouise. Je vais peut-être prendre de la bouffe. Ah, peut-être malin. Le lynx. Non, lui non. Bon, j'allais dire, donc, fausse bonne idée. De l'intérêt de bien choisir le bon miam, le bon aliment que vous allez consommer. Parce que, voilà, chacun a leur propriété quand vous les ingérez. Ou les croquez. Et là, d'abord, je vais commencer par faire le plein de vie, bonus de vie. Et seulement après, je vais manger ma part de gâteau. Je sais pas ce que tu racontes, mais moi, elle m'a rien donné du tout. Alors, en fait, normalement, elle aurait dû te donner le petit sac cotillon, le truc surprise qui est aléatoire. Ouais. Mais en plus, elle t'a donné un bouquin que tu dois retrouver dans ton index de bouquins. Et là, t'apprends un truc. Tu apprends que... comment ça s'appelle? Maintenant, on est comme la Mamie Nova de l'espace. On est des explorateurs de l'espace, là. Parce qu'on a le manipulateur de matière. Oui, les protecteurs. Oui, c'est ça. J'allais dire les gardiens de la galaxie, moi. Le bout de Terran Protectorate. Et... mais non. Comment ça, non? Non, le bouquin, elle te le donne pas. Le journal d'Esther. C'est ça. Elle te le donne que quand t'as fini la mission. C'est la récompense. Ok, je ne comprends plus rien à ce jeu, mais oui, pourquoi pas. Bah, tu l'as pas, là, pour l'instant. D'accord. Je sais pas, j'ai lu des bouquins, en fait, dans mon index qui avaient la même couverture, j'en avais deux. Et même là, j'apprenais ceux qui étaient avec moi, qui ont regardé mon signal et qui sont à l'aise avec la langue de Shakespeare, auront deviné que c'était, en fait, un bouquin de méthodologie de comment bien explorer dans l'espace. Par exemple, on se lance jamais à la surface, on se téléporte jamais à la surface d'une planète dont on n'a pas analysé via le tableau de bord de son vaisseau les caractéristiques, ce qui est parfaitement sensé. Oui, ça je suis d'accord avec toi, mais en fait, si tu regardes précisément le bouquin de la récompense de quête et des deux bouquins que t'as, le symbole dessus n'est pas le même. Ah d'accord, bah, tu vois, même ça, mon cerveau est tellement ramolli de ma semaine que tu vois, je ne l'ai même pas distingué. Et voilà, alors TP, on est parti. Ça va faire mal. Alors c'est fou, mais c'est symbolique. Il faut se dire que je vais affronter entre guillemets mon boss.
S'il est de ma race à moi, les glitchs, les robots. Ah, un petit Seb vient d'arriver. Alors c'est marrant parce que je t'ai vu arriver parce que la porte en pierre s'est ouverte avant même que tu te téléportes. Parce que c'était en process de téléportation. Oui, c'est un lit ça. C'est trop cool. Oui, il y a un coffre au bout, mais je crois que je l'ai pillé. Non. Ah oui, c'est pour chaque joueur, donc c'est bien. Non, tu l'as pas pillé, c'est tout. Oui, peut-être, je sais pas. Sauf s'il s'est peut-être régène au moment où je suis revenu. Non, ça m'étonne. C'est possible. T'as essayé de monter ? Ah, on peut pas. Oui, j'ai essayé. C'est un bug rigolo quand t'es en boule collante. Voilà, ça, les drapeaux s'analysent. Bap. Les drapeaux là s'analysent. Bap, 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 bap. Bap. Bonjour, c'est le facteur. Et bam, in your face. Oh, une cloche. Oh, on peut pas la sonner. Ring my bell, ding dong, ding dong. Shit. Alors attends, parce que là, j'ai trouvé ça. Merde. Il a trouvé quoi? Mince, attends. Ça. Mm-hmm. Un parchemin à la place de ma cape. D'accord. C'est Mimi. Hop. Merde. Un document déchiré. Ah, oh, cher baron, les détails de Vaguer. Quoi ? Qui est quoi ? Comment ça, cher baron ? Cher baron, didadadidoudo. Ah, il y a deux soldats là-haut. Oui, oui, dans le final. Joli copain. Légitime, édict, édition. Nectar, entièrement de neveu, te passe l'eau. Tu n'as pas d'autorisation de puissance. Veuillez, veuillez arrêter. Présent, non, prévu, conceal, what? Là, je comprends pas tout. Il y a eu un abus de pouvoir, là, visiblement. C'est tout ce que je conclue du texte. C'est bizarre. Ah! Il m'a fait peur, c'est qui, lui? Ah, c'est lui! C'est lui le baron. Bah oui, on veut l'artefact, mon grand. Quoi? Dizzy raconte, mais il est fou. Je propose un marché. Tu viens d'un des anciens cultistes pour... Quoi? Non, mais gueule. Il a dit bah, que... on défend son château, il nous file le truc. Il guiche. Il guiche que peut-être. D'accord, oui, non mais... Mais ils sont trop faibles. Attends, 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 c'est la... J'ai mis à l'alerte avec la cloche. Alarme. C'est trop drôle. Ils sont trop faibles, c'est abusé. Oui, bah attends, ça va venir la vraie cavalcade. Là, c'est la muse-bouche, là, tu vois, c'est... Attends le plan de résistance, là, tu vas moins rigoler, à mon avis. T'aimes bien, t'as les autres qui bombardent les flèches d'au-dessus. Ah! Merde, j'ai plus d'énergie. Ah! Alarme! Moi aussi. Ouvre l'œil et le bon. Je suis outragé. Les brigands ont quoi? Une machine de guerre. Eh bah tu vois, le plat de résistance arrive. Il y a des trucs balistiques là qui arrivent. Voilà. Bah là c'est une baliste. C'est ça. Dodo. Le dodo de la mortalité. Moi aussi. Ah, c'était pas si compliqué que ça. Attends, avance pas trop. Allez. Il y a des mobiles à l'intérieur. Aïe. Ah non, c'est les soldats sur la tour. Le gars il fait nappe. Alors ils sont où les vilains? Je sais pas, je viens d'en tuer 3.
agité. Oh mon dieu. Il spawn de plus en plus près là. Ton arme elle est trop cheatée. Oui j'adore. Faut fermer la porte. Oh, qui c'est qui nous parle? Je suis désolé, il y a plus de Q6 qui arrivent. Veuillez m'excuser, d'accord, de pas pouvoir donner un coup de main, mais je suis en voie de revenir bientôt. Oh, merci! Noulou! Noulou! Oh, cool, elle vient nous donner un coup de main. Je l'adore, cette fille, elle est trop bien. Ouais, par contre, ça, c'est un peu l'anarchie d'un coup. Noulou, je vais crever. Nous, et j'ai crevé. Ne crève pas. Oh, je suis trop content qu'il y ait Noulou dans la bataille. En fait, elle peut pas résister. Dès qu'il y a de la baston, elle veut en découdre. Oh mon dieu. Je te rappelle que son épreuve, c'était une arène. Ouais. Ouais, ouais. Oh non, mais Noulou, je l'adore. Là pour ouais, le j'ai un jeu, peu QLA pour être à l'aise. J'ai envie de dire, c'est la meilleure perso secondaire du Sénat de tous les temps. Pour moi, hein, évidemment. Elle est trop bien, Noulou. Je l'adore. Noulou! Noulou! Oui, vas-y! Plante-lui ta lame là où je pense. Oh, celle-là. Soigne-toi au lieu de raconter des conneries. Ouais. Ça parle mal. Fais gaffe, il y en a un autre. Ah, il va bombarder du feu au-dessus. Brigand. Ah, qui c'est l'abruti qui me ferme cette porte? C'est toi qui ferme la porte hein? Ah, c'est possible, à un moment je l'ai claqué. Ah, laisse-la ouverte parce que c'est chiant. D'accord. Ah non, mais c'est les PNJ aussi. Vas-y, je la pète, comme ça, j'ai pété la porte, elle se ferme plus. Putain la vache, il spawn même depuis la montagne. Aouh! Mais arrêtez de te cramer, bande de naze. Ah, mais ils m'ont tué. Il y a la baliste. Faut surtout que je résiste pour pas crever, que tu reviennes vite à côté de moi. Tiens, c'est qui lui? C'est pas grave, ils ont des trucs de Leonardo da Vinci, ils font des hélicoptères. Alors ça c'est directement, mais vraiment. Grouille-toi. C'est directement pris de des plans de Leonardo da Vinci. Putain, mais tout le monde nous aide, il y a même le l'homme de la plaine des singes là. Mais vache. C'est quoi cet assaut de malade? Je sais plus où donner de la tête moi. Bah tu sais, c'est les cultistes. Ah bah oui, non c'est mais... ceux qui veulent nous empêcher d'avoir toutes les gemmes. Ah, ils sont vénères. Mais je suis avec Noulou, c'est bien, c'est violent, mais ça défouraille. Au secours! Noulou! Ouais, merci ma grande. Ouais. Ah, j'ai trouvé une autre méthode de. C'est bien, c'est d'arrêter bien. La baliste. C'est bien. Ah, c'est jubilant, c'est jubilant. Last one. Ah! Venez ici, je dois vous parler. Oh, on aurait gagné la grande bataille. Ouais, il y a un trou dans le mur hein, quand même. Hein. Ouais. Côté, bonjour monsieur, je suis impressionné. Travail brillant. Non, l'autre il se la pète et vous me rappelez moi quand j'étais plus jeune. Je suis choqué. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Ah merde, il y a un truc dans le ciel. Ah! Ah, il est sans voix. Oh merde. C'est la maman qui prend un odeur. Oh, ah, c'est ça, ils ont recyclé le boss. Alors, je me disais, est-ce qu'ils allaient l'effacer ou est-ce qu'ils allaient le garder, le boss de Dragon de DOS?
Et en fait, le dans la phase de développement de Stardew Valley, j'allais dire, jeu, on vole merde. Bah ben, je suis mort. Oui, ah, bah, non, moi, mais le dragon plus les cultistes, il... Attends, je résiste, je résiste. Le dragon avec ses boules de feu. Hein. Ah! Mais en plus, il pète le décor, en fait. Il a pété le château. Il pète les briques. Mais vite, tu reviens vite, te plaît, parce que là, je vais bientôt crever. Secours. Ah! Nourou, au secours, viens m'aider. Nourou! Nourou! Rassure-moi, t'es revenu dans la bataille, petit Seb. Ouais, moi, je suis parti sur le dragon. Hein. Oui, bah moi, je vais crever. J'ai crevé. C'était sûr. Parce que je me suis retrouvé avec 15 cultistes qui me serraient contre la paroi de la montagne. J'étais mort. Nous, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ah, j'arrive. Amalia, cette bataille épique. Alors, je suis bien content de la faire avec toi, parce que dis donc, en solo, punaise. Le boss doit être ultra balèze dans le sol. Attends, là, je me fais le menu frottin que sont les cultistes de mes deux, là. Moi j'essaye aussi, mais je vais bientôt crever. Oui, bah faut pas. Bah, je suis mort. Waouh! Alors j'en ai éliminé quelques-uns, mais alors les 15 dehors. De j'en ai eu 5 ou 6 là d'un coup. Mm. Et ce qui me pose problème, moi, c'est. Putain d'archer de merde. Je suis mort. Mmh, peut-être pas. Ouais, attends, je suis en sécurité relative. Ouais, mais en fait, tu vas trop loin, du coup, on n'avance pas sur le dragon. Si on reste comme ça, on va jamais le finir, en fait. Bah... Je sais pas si les cultistes vont apparaître en boucle. Je suis pas persuadé. Si, parce que moi, je les avais tous tués, ils sont tous réapparus, alors... Bizarre. Oh la vache, ça va pas. T'as puis j'aime bien la même Nova qui nous parle, c'est. Tu penses bien qu'on n'a pas le temps de lire son texte. Je comprendrais ce qu'elle nous aura dit en regardant le ralenti en semaine, là, tu vois. C'est n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce qui dérange tant que ça les cultistes que nous puissions être en possession de toutes les gemmes? Il y a quelque chose de tabou. Ils veulent les avoir eux-mêmes pour ouvrir la porte, mais pour libérer le monstre et non pas le tuer. Je crains que tu aies raison. Putain, j'ai mangé la boule de feu du dragon dans la tronche. On peut le dire littéralement, il m'a allumé. Attends. Oh, mais c'est pour vrai. Est-ce que là, j'ai le dragon? Ah, la merde! Ouais, j'ai trouvé le bon endroit, si tu tiens les cultistes, je vais têcher le dragon tout seul, tranquille. Non mais fais, je m'amuse avec tous les cultistes, c'est ma première gangbang partie intergalactique, ça fait bizarre, mais c'est bon. C'est la gangbang, gangbang partie. Tu vois, c'est je suis bien. Sur le truc en hauteur, du coup ça le tape pas, ça tape en dessous, donc les flammes m'atteignent pas, et moi j'ai juste à tirer tout doucement au fur et à mesure que mon énergie se recharge. Et bonjour Twinsen, j'aime voir qu'il vient de débarquer. Salut. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on est occupé avec un dragon. C'est ça. C'est bon, je l'ai eu. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? C'est rangé de notre côté ou quoi là? Celui qu'on avait pataté dans la bibliothèque noyée là. Je sais plus son nom là, Knorx, je sais plus quoi. Vous êtes intact, j'ai besoin de vous parler. Oh merde! Oula, tu l'as défoncé le dragon d'os. Il y a des morceaux partout. Il y a deux côtes et une patte sur le pont. Oui, il a la tête là. Oh mon dieu. Oh! Ah! Derrière l'os, il y avait du métal. C'était un robot. Tout s'explique. Prenez l'artefact et. Prenez-moi aussi. Non mais dis donc, gros dégueulasse. Ah, frustré de pas avoir été au milieu de la gangbang party, je vois. Ah là 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 là. Il va nous apprendre plus tard que se faire tentaculer est une récompense, est un honneur dans l'espace.
C'est n'importe quoi. Wow! Ah, si tu veux, tu fais la mission en boucle, il y a 1000 pixels en récompense. Oh. Surtout, n'oublie pas de numériser les objets. C'est beau. C'est beau. Il y a tellement de choses, petit Cheb. Voilà, je t'ai laissé des choses dans le coffre. Ah, Mickey. Oh mon dieu, ce mur de l'invisible. Bon. Y'a rien du coup. Monsieur. Oh. Magic Squirrel. Le truc, c'est parce qu'il nous manque une. Ah, on peut plus du tout aller sur la tour, elle est complètement défoncée. Je suis presque en train de regretter qu'il n'y ait pas. Oui, la vache, comment. Oui, il a défoncé le château. Je comprends pourquoi il sort de sa retraite et de son château, parce que le château, là, il faut qu'il le rénove, du coup. La tour, ouais, comme tu dis, elle est tombée, mais alors comment caca. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je suis en regret de me dire, c'est dommage, il n'y a pas, tu vois, de petits passages récompense quand t'es en boule pour aller trouver une pièce secrète, machin. Il y a rien là, c'est dommage. Je suis tristesse. On l'a juste pas trouvé. Ouais, je sais pas, c'est pas apparent. C'est vrai. Oui. Oh mais non, on est des connards. Je sais ce le coffre où il est, le coffre qu'on a oublié. Oui. Il est juste là derrière, contre le mur là-bas. Ah mais moi je l'avais fouillé moi. Et c'est celui-là que t'avais ramassé alors. Oui. T'avais dû choper possible. Un chapeau dedans. Moi c'est celui-là que j'ai fouillé. Bah, tu dois avoir une tenue. Oui, tu devras avoir une tenue complète. C'est ça. Le bas, oui. Le haut que je t'ai donné, le dos que je t'ai donné et la tête que t'as ramassée. Et la tête, c'est un chapeau pointu, tu sais, à la Mickey, là, dans. J'allais dire dans Castlevania. Dans Fantasia, là. Enfin, je sais pas si tu connais les classiques Disney. Un chapeau en conne, quoi. C'est ça, bleu avec les étoiles dessus. Oui, c'est ça que j'ai eu. Ouais. Oui, oui, oui! Bon, on n'a pas tabassé ton chef. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh! Il est venu avec. Tu peux scanner la caisse avec tous les bijoux. Quoi? Ah! Non, il a vanné l'autre. J'ai dit, mais il peut réparer l'arme du début, machin, les codes, quoi. Oh, la sacrée Nolo. Faudra qu'on fasse son arène un de ces jours. Alors, on en est à 5 sur 6. Hein. On a fichtrement bien avancé. The Royal returns the Baron to the Earth-Past. Voilà, le journal d'Esther. Oh mon dieu, il se passe un truc! La porte s'est ouverte avec un flux d'énergie, on se croirait dans Stargate SG-1 là. Ah, te montrer, il est temps pour moi de te parler. Que de quoi? De ce que j'aurais dû en fait faire depuis le début. Oh mon dieu! Elle explique l'univers. What? Attends. Il manque qu'un seul artefact. Ouais. Comme les Nolo. On n'a pas les informations sur le dernier artefact. Merde. La raison est que. Continue, tu vas comprendre. Quoi? Quoi? Le manipulateur de matière et la clé? Ah, c'est l'artefact qui avait été donné aux humains.
Oh bonne mère, on a tous les artefacts. A plus Torata. Zubi, à plus. Bye bye Torata. Tu te sens prêt au grand combat final ou tu veux le regarder pour un autre épisode? Je sais pas, on verra peut-être un peu plus tard. D'accord. Mais pas tout de suite, de toute façon. Moi je pense que je vais aller, comme j'ai amélioré mes trucs à fond, je vais aller voir pour la meilleure armure possible. Alors... Tiens, le sage, tant que t'es... Oui, excuse-moi, j'étais parti à l'opposé. Ah, merci. Cool. Je crois que tu t'es repris le... Non. Oui, tu t'es repris les... Non, si. Ah. Je les vois pas. Les cartes... Les cartes bleues, ouais, voilà. Merci, oui, c'est ça. Oh la vache, oui, merci. J'ai gagné... Oui, tech card encore. Alors, le journal d'Esther, le fameux, effectivement. Alors ça va être la révélation. 6 pages, tu m'étonnes qu'il y en a à lire. Putain, mais t'as la poisse aujourd'hui, Olive, à la pêche, sur mon chat. Oh là là. Alors... Et voilà, un triple feu de camp pour Monsieur le Sage. Un triple feu de camp, oh mon dieu. Ah oui, le Pokémon, non? Ouais, en fait, ah. Je t'en ai mis 3 côte à côte pour faire un gros feu de camp. Oh, 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 oh. Oui, il y a des gens comme ça au livre. Ouais, non, là, franchement, t'as la poisse. Scarlet Girl... Alors, attends, j'essaie de pré-traduire, on va dire, l'anglais. C'est le Devastation, c'est tellement de structure. Et seulement un survivant. Une jeune fille. Non! Ne me dis pas qu'Esther est la survivante d'une planète explosée. Les versets de groupe, les florales, les apex, les avianes. Oui, donc elle a tout perdu, son domicile et sa famille. Asranox! C'est Asranox qui a perdu sa famille et son logis. D'accord. D'accord, donc en fait... Ah, je commence à faire le lien avec des propos passés. C'est quand il disait « Méfie-toi de la Mamie Nova de l'espace », c'est qu'on l'avait confronté. C'est ouais. Parce qu'en fait, l'intéressé avait fait son enfance aux côtés de Mamie Nova de l'espace. Elle s'était bien cachée de nous le dire. Oui, et puis aussi parce qu'Asra savait sûrement qu'elle avait la dernière gemme. D'accord. Bon, au moins, la Nova de l'espace reconnaît que Astra lui aura été d'une énorme aide. Alors, j'ai découvert un terrible secret. Quoi ? Ah, bon, ok, ça calme. Donc en fait, là où on va se rendre dans le combat final, là, la porte qui est verrouillée par les artefacts qu'on vient de faire sauter, ça dissimule en fait un endroit de l'univers qui est une forme, on va dire, apparemment de prison. C'est très probablement le monstre, je présume, tentaculaire là, qui avait attaqué la Terre ou un équivalent. En fait, c'est une entité qui est capable de détruire toute forme de vie. Oui, ça l'avait déjà dit au début. Enfin, de détruire toute la vie dans l'univers, quoi. C'est le truc apocalypse now, mais total, quoi.
Et cette chose qui est terrible et sommeille dans les ruines voilà, dont on vient d'ouvrir la grande porte d'accès. D'accord. Alors, là où il y a eu scission entre Maminova de l'espace et Asra, mais pardon, je prononce mal son nom. Et en fait, qui est une fille, hein. Je sais pas pourquoi, mais dans son aspect, j'arrive pas à accepter que ce soit une demoiselle. Mais peu importe. C'est-à-dire que la Maminova de l'espace a fait part de ses découvertes de l'utilité de la porte avec le verrouillage à Asra, qui en est devenu complètement fou d'apprendre la vérité quoi, sur l'univers. Et du coup, sans attendre à écouter tout le discours de la Maminova de l'espace, Asra s'est fait la malle et s'est barrée pour mener sa propre quête en fait. Elle s'est dissociée de la Maminova de l'espace, c'est pour ça qu'on l'a confrontée. C'est parce qu'elle était plus en accord. Mais là, si j'ai bien compris dans la bataille qu'on vient de faire, elle est revenue de notre côté. Enfin, je suis pas sûr. Mais il faudrait que je relise. Non, en pleine action, tu peux pas lire les textes. Et à un moment, elle nous faisait la causette alors qu'on était en train de patater les cultistes, quoi. C'est là qu'on va apprendre quelle est la grande chef des cultistes, tu sais. Elle a monté la secte, que ça m'étonnerait pas. Et en fait, c'est sa faute si on n'arrive pas à... Enfin, bref. Bref, elle m'a dit que j'avais faux. Ouais, bref, ils sont pas d'accord sur l'interprétation des données qu'ils ont trouvées. Elle croit que les ruines sont une force d'effacement, oui, entre guillemets, ouais. Qui détruira toutes les vies inférieures dans l'univers. Ah, c'est ça. T'avais vu juste, petit Seb. C'est ça. La Maminova de l'espace veut neutraliser la menace avec notre aide, alors que la Miss Rebelle, là, on va l'appeler comme ça, elle veut effectivement la protéger, l'entité qui est dans les ruines, qui risque, si on la lâche, de, on va dire, générer une nouvelle ère dans la galaxie, quoi. Mais il va y avoir des gros dégâts. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne veut pas entendre raison. Ouais. Et son excitement est devenu, a pris la forme d'une rage insensée. Ouais, enfin bref. Ah oui, Maasra, ma petite fille, est partie. Ouais. Vas-y. Moi, je suis chaud. La petite fille. Asra, en fait, c'est la... Enfin, je vais faire dans l'autre sens. La Maminova de l'espace a été la nounou et la mère adoptive d'Asra, en fait. Qu'elle avait, je sais plus comment, dans son histoire, recueillie par rapport au désastre qu'elle avait perdu son logis, ses parents. Enfin, bref, l'horreur. Ah, oh, mon Dieu! Oui, alors t'as c'est elle, Asra, du go. Coup. Non, c'est Lana Blake. Attends, je sais plus. Donc, attends, je confonds Lana Blake. Alors, c'est qui, Asra? Mais non, mais oui, mais non, oui, non, si, c'est non, je suis un débile. Si, ça y est, je vois qui est qui. Oui, je confonds les deux. Bon, tu veux quoi, petit Seb? T'es chaud, pourquoi? Ah, tu fais la reine de Nulu? Ouais, j'ai envie. Nya. Yalash! Oh, il y a des trucs qui se connaissent ici. Oh. Nulu. Oh, il y a un monsieur. Il y a trois gladiateurs. Ils se battent différemment chacun. Oui, il y a des choses à scanner.
Bon, moi, je vais aller me faire en papaouté, c'est sûr, mais bon, bref. C'est beau. Ah. Merde, oh, j'ai oublié de faire le saut, je me suis Ça, pété copain? les jambes, copain, oui. Oui, la première arène est déjà finie. Ah, oh. C'est très joliment fait, je trouve. Je suis en train de visiter de haut de l'arène, mais c'est très Fais joliment donc, fait. fais donc. Jumping. Stirring. Putain, ils sont Ah, mais terribles c'est avec tout? les grilles. Je suis déçu. D'accord. Je sais même pas ce qu'il y avait à tuer, comme tu les as démontés, c'est excellent. Il y avait un tireur, un épéiste en armure légère avec une épée une main et un épéiste en armure lourde avec une grosse épée à deux mains. Ça, je le connais pas, lui. Oh mon Dieu. Quoi? Turn in rare items for bountiful Oh. bounties. Eh, en fait, c'était que le trophée de bronze. Ah, sacré Nolo, elle est marrante. Et du coup, il y a un deuxième fight. Tu veux surenchérir? Stop ou encore, comme dirait Vincent Perrault. Bah, c'est parti. Oh. Ah, je t'avais prévenu, j'ai besoin de me défouler aujourd'hui. Faut que je Oui, tue des gens. je conçois, je conçois. Je conçois. Alors, tu as un yellow rifle sur les slow your movement, make sure tout quoi. Oh merde, il donne plein de conseils en fait, c'est excellent. Le gars est adorable, il donne plein de conseils de combat. Ah! J'arrive! Je suis déjà presque mort. Fais gaffe, hein, Ils sont vilains. En fait, le mec a pas beaucoup de PV, mais il arrête pas d'invoquer des créatures. Ah. Voilà, il est mort. Mais il va rester sous la force de mon canon, lui. Non, c'était pas l'arme appropriée, moi, dans mon cas. Damage. Pas grave, on l'a eu. Bien joué. Quoi? Qui c'est qui tire? Qui c'est qui tire? Ah, c'est toi. Je devenais tout faux. Je pense qu'il y a encore au moins un combat après pour la coupe en or. Je crois. Je te laisse vérifier. Elle donne 800 pixels. Ouais, coupe en or. Et là, elle donne une épée de main qui est pas terrible. Allez, let's go casser des bouches. Comment elle va, mademoiselle Lynn? En fait, je viens juste de capter que Lynn est arrivée sur le chat. Hein, hein, Oui, il y a et une elle heure était de déjà ça. là depuis avant le. Il y a 1 heure avant le dragon d'os, quoi. Désolé, Lynn, Eh vraiment. ben, Mais c'est bonjour, bon. Lynn. Oh, Oula! là là, tiens, il y a une variante. Oh, c'est une épée qui balance des. Yeah, c'est l'épée éclate les burns. Ouais, enfin, c'est l'épée éclate les machins et c'est surtout les 50 000 mobs qu'il invoque. Ouais, gère bien ta vie. Ah C'est oui. de la fiche. Il passe dans les flammes sans prendre de dégâts. Ah oui, c'est honteux. Merde! Bien joué! Très bien joué!
Il est venu me déloger alors que je m'étais collé au plafond. Très très bien joué. Je me pose ce que je fais. J'y balance les sauces. Allez, encore une et je le tue. Je l'ai tué. GG. Non, bah c'est bon, on a réussi. GG, tous les pièges, on va. Et t'es chaud celui-là, hein. Un bouton que j'ai pas, ça. Ah non, c'est un émetteur de flammes, d'accord. Ah, je l'ai peut-être pas l'émetteur de flammes, moi non plus. Oh bah oui, mais c'est fermé maintenant. Ah putain. Eh bah, non, mais c'est pas grave, j'ai le modèle, donc je pourrais te le passer. Je pourrais te le passer. Ouais, bon après, si je pense pas en avoir besoin non plus, mais. Tiens, eh oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué de musique. J'ai joué de musique tout à l'heure en attendant pour le. Il est où mon instrument? Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Bonjour Dragonsky. On a eu tout le monde. On a eu tout le monde. J'espère que tu vas bien. On a eu tout le monde. Ah, et l'autre, il voulait un. C'est quoi qu'il voulait? Grand avion de sarcophagus. Vas-y, je vais voir si je peux pas le créer avec les pixels. Mais pour une chaîne chez l'osage. Ah, mais c'est ça? D'une partie précédente qui vient de me revenir en pleine tronche. Je suis pas sûr. Je vérifie ma théorie et s'il est juste, je t'indiquerai une info. Je vais aller à l'opposé de la station parce qu'il y a un truc à faire. De la station. Ouais, j'avais fait ça dans une partie il y a très longtemps, quand j'ai commencé le jeu en fait. J'ai peut-être fait ça, je pense, en 2016-2017. Et là, tout d'un coup, je viens de me souvenir, mais oui, mais merde. Je me souvenais d'un perso, je sais qu'à un moment j'allais le croiser, mais je sais plus à quel moment, et je viens de comprendre où il est. En fait, on aurait pu presque le voir depuis dès le début. À partir du moment qu'on avait le pouvoir de la boule collante. Si je dis pas d'ânerie, et je sais pas si tu l'as fait petit Seb. Mais il y a quelque chose sous la station intergalactique. Tu passes à gauche? Oui. Oui, puisqu'à droite tu peux pas, à droite c'est la porte et au-dessus c'est fermé. Donc. Et en fait tu vas découvrir quelque chose en dessous de la station. Qui repose en fait sur un gigantesque astéroïde. Pa, 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 pa.
C'est peut-être même d'ailleurs tragiquement un fragment d'une ancienne planète. Et voilà. Ceux qui voient mon signal voient de quoi je parle. Enfin, tu l'as fait, petit Seb, ou pas? Non, je l'ai pas fait. Mais alors, faut coup, pas je que je dise. Je vais me taire parce que sinon je vais te gâcher la surprise. Mais il y a un truc. Oh la vache. Il y a un petit cadeau sympa. Hein. Mais. Et ben, je me demande si c'est pas lié à une quête secondaire, ça. Une quête secrète. Les trophées qu'on a eu en faisant le l'arène là, tu peux les poser et les scanner. Oh, t'as eu deux fois la même réplique, Olive. Ah bah merde alors. J'ai près de 300 répliques dans le jeu, là t'as pas eu de bol, t'as eu deux fois la même de suite. C'est rarissime. C'est fou. En fait, t'as toujours pas digéré, en fait, Olive. Il te dit que t'es vraiment barbouillé après un mauvais repas. Aïe, 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 aïe. Ah, oui, ma poule, elle a pondu une pile. Ma cyberpoule. La cyberpoule. J'avais même pas numérisé mon siège dans mon bar, dans mon vaisseau. Le siège. Je crois que j'ai pas digéré le mois d'août pourri que je viens de passer, ça doit être ça. Ma pauvre Olive. Dur. Eh ouais. Oh, je vais changer d'instrument. Je vais. Hop, je vais prendre quoi? J'ai une guitare électrique. Une guitare. Ouais, basse. Elle est d'instrument. Allez, je vais prendre la guitare électrique basse ou machin. Du coup, si je joue un air de musique, ça donne quoi? Tiens, je sais pas, un solo de harpe. Pourquoi pas? Je suis en train de faire la rétrospective de ce qu'on a fait dans l'histoire de Starbound. Je te dis dans le mille ce que j'ai en tête. Je vais refaire, tu sais, la quête de la mine où il y avait l'alarme, les humains qui se transformaient là, avec le joyau vivant géant au fond de la mine. Ouais. On avait parfait la mission avec les passages en boule. Il y a des trucs. Non, on l'avait pas refaite la mission. Tu veux la refaire avec moi ou Ouais, si tu veux. Parce que là, j'étais en train de regarder. Oui. Parce qu'il y a des armures encore plus grosses que celles qu'on a. Mais en fait, il y en a trois différentes. Ah. C'est-à-dire que t'en as une avec qui donne. T'as un type d'armure qui donne plus d'attaque, un type d'armure qui donne plus de vie et un type d'armure qui donne plus d'énergie. C'est celle-ci qui donne le plus de dégâts, ouais. Je me barre en dehors de la zone de combat. 40. Adieu.
Ah, le mur invisible. Ah, mais il faut faire l'armure d'avant. Chibidibidibidou, allongé en musique. Je vais vous jouer quoi? Je sais pas. 16, 16 ans. C'est oh, n'importe c'est quoi cette scène. Petit. Mais je m'en souviens plus de visiter les extrêmes de la mission là. Si j'en aurais assez. Non mais pas assez, je vais être très... Déjà avec ça. Là, je suis 60, 21, 12, 12. T'es bien, t'es en train de faire tes calculs, tes tests. C'est excellent. Non, 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 je compare en fait les armures, mais ouais. Clairement, c'est meilleur. Donc là, tout ce qui me manque, c'est les Solarium Star. Et il m'en faut 40. Est-ce que j'ai assez pour en avoir 40? Comment je déboîte mes ennemis, c'est... Ça en devient pathétique. Pour les ennemis, les pauvres. Maintenant qu'on est complètement pété en énergie, en stats, on a une expérience de fou. Je crois que je suis parti sans déconner pour me promener. Allez, un régal la mission maintenant, ça va être. Petit parcours de santé, allez hop. Deux, trois petites foulées. Il m'a même pas attendu, je suis triste et tout. Ah, je suis un grand vilain. Non, mais je pense que tu viendras te téléporter à côté de moi pour le meilleur, en fait. La découverte de la partie en boule. Non, mais en fait, moi, je voulais qu'on refasse entièrement la mission. Ouais. Pour la simple raison que même en boule... Et Slim... où je l'ai... Peut-être qu'en boule... Ah non, c'est peut-être avec Arsenus que je l'ai faite en boule, la mission. Parce qu'en fait, comme on avait eu de la chance et qu'on avait eu tous les minerais, on avait pu avoir tous les pouvoirs avant de faire la première mission. Oh. Et et il se trouve que... C'est nul. Que vous avez rien découvert et en fait, non, rien de spécial. Non, non. En fait, il y avait un autre truc et du coup, ça nous fait dire qu'il y a un autre truc à trouver dans la mission et que j'ai jamais trouvé, que j'ai pas trouvé. Ah. Donc, mais là qu'on a tous les pouvoirs, peut-être que ça va pouvoir être mieux. Ouais, la donne va être différente. La donne va être très différente parce que je viens de me faire la meilleure armure du jeu. Oh. Et j'ai choisi, et entre vie, énergie ou dégâts, devine quelle option j'ai choisi. Dégâts.
de dégâts, exactement. Alors que moi j'aurais fait le choix de l'énergie. Très bien. Oh là là, le carnage. Mon arme unique là. Oh là là, mais je les déboîte. Ils se prennent deux globes oculaires, ils sont morts. Moi j'ai une question là. Quand tu appuies sur ton inventaire, ta stat de dégâts, t'es à combien de pourcents? 325. Je suis à 460. Waouh, stylé. Tiens, d'ailleurs, faut que je fasse le test avec ma part de tarte. C'est mon plus agressif là. Waouh, combien je gagne de pourcents d'attaque? Tiens, rien que là déjà. Non, y a pas besoin d'être en boule. Non, ça c'est le truc de base pour avoir une récompense exploration. Oui, non, ça je l'ai depuis Mathusalem. Oui, attends, vas-y voir que je mange ma. Ah oui, je passe de 325% à 390 quand même. Donc à mon avis, je te passe une part de mon gâteau, tu le manges, tu passes largement à 500% de dégâts. Et ça m'étonnerait pas du tout. Écoute. On est parti. Mmh. Ah bah tout est ouvert, c'est bizarre. Comme Shabaya. Parce que si en plus il y a... Ah bah non. C'est-à-dire si en plus il y a un dédale de... pour les billes, mais non. Enfin quand t'es en boule, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Attends, faut que j'accumule de l'énergie, j'en ai plus. Bah il a pas encore ouvert le sage, bon bah tant pis, je fais la route. Oui, fais la route. Ah, il a laissé des gens. Oui, c'est possible. Non, mais je crois qu'il y a deux chemins possibles et j'en ai fait qu'un. Ah non, c'était pas dans un chemin aléatoire, hein, là, c'était vraiment... Ah bon ? Sur le chemin du départ, là. T'as dû leur sauter par-dessus ou j'en sais rien et te barrer. What the... What? Alors, j'ai découvert un truc. Je suis face à une porte scellée à la verticale et il y a des signes totalement inconnus, des glyphes gravés dans le mur. Attends, je vais arriver. Alors là, j'ai découvert une langue indigène inconnue dans l'espace. Là, il va falloir éclairer ma lanterne. Là, il y a un truc là. Mais pourquoi la porte elle reste fermée? Je peux pas. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai même pas développé l'option électrique. Ah bonjour, Fan. J'avais pas vu que t'étais arrivé. Je vais passer par là. Alors là, mystère dans le scénar. On va pas dire que je l'ai one shot avec mon arme, mais je crois que je l'ai one shot avec mon arme. Le boss. Le boss, tu sais bien que c'est pas des ennemis alors. Oui, oh. Je m'amusais. Ça aurait été la classe ultime de pouvoir faire ça. Allez, 3 d'un coup. Non.
Oui, du coup je bouge plus, puis j'attends que tu me rejoignes. Du coup, j'ai joué de la musique. Ça sera toujours ça de prix. Hop, guitare électrique. La guitare, je vous joue quoi? Oh, je sais pas ce que c'est. Heureux, Olive. Alors, c'est pas par là. Oui, un peu tout, parce que si t'es à l'endroit que je pense, c'est la porte que je voudrais ouvrir, donc je regarde si je trouve pas un interrupteur qu'on n'a pas vu avant. Ouais, les deux glyphes, ouais. Là, y a un levier, là. Oh! Tu as activé un glyphe. Donc t'as des leviers de cachet dans le niveau. Waouh! Putain, puis ça s'est allumé comme un néon. J'étais dans l'obscurité et d'un seul coup, pooh, lumière puissante dans la tronche. Ah, ça y est, Olive a pêché son premier poisson, un veron. Poté patapan. Voilà, mais le sage, il a même pas ouvert le raccourci, c'est pour ça que j'ai pas pu le rejoindre plus vite. Oui, désolé, non mais j'ai fait à l'arrache. Attends, là, t'as trouvé un truc, parce que t'as activé un levier qui a effectivement allumé le glyphe. Ah, ça me plaît beaucoup. Bonjour, Tomouf. Ah, oh, en espérant que tu ailles bien, Tomouf. Oh là là. Alors Tomouf dit ça va et toi et vous les gens? Bah écoute, moi je vais bien Tomouf. Là il se passe ce que j'avais prédit, c'est à dire que heure après heure je vais de mesure en mieux, parce que en votre compagnie je me ressource et je me repose, mais je sors d'une semaine intense où j'ai accumulé, on va dire, formation et boulot, mais c'est surtout la formation qui m'a épongé le cerveau. Mais alors c'était violent, hein. Ça m'a fait un effet The Matrix, hein. I know Kung Fu. Là, on m'a injecté les données et pour que le cerveau revienne en état normal, il va me falloir tout le week-end. Mais ça va fort bien. Merci, Tomouf. Aïe, aïe, aïe. Non, j'étais pas tôt à 8h du mat, là, tout à l'heure, quand j'ai lancé mon antenne. Sous Spin Lucky, vous pouvez revoir l'ardif pour ceux que ça intéresse. Mais bon. Vous voyez que j'étais mou là. Ouais, tu m'étonnes, dit Olive. Les ça copains graine, ce genre de truc. Ouais, non, mais. Oui, bon, bien joué, petit Seb. Faut trouver l'autre. Trouver le deuxième interrupteur. Je l'ai trouvé le deuxième. Mais c'est que je voulais. Ah, tu voulais voir par toi-même? Je voulais voir la porte avant qu'on l'active. Ah. Fais donc. Je m'interdis de franchir cette porte scellée avant toi. C'est toi qui mérites de partir en avant. Et puis c'est lâche aussi. C'est-à-dire que s'il y a un truc dangereux au fond, c'est toi qui te le prends dans la gueule et pas moi. J'avoue. Oui, ouais, ça, tu l'as déverrouillé. Bien joué, petit Seb. Tu peux me rejoindre. Qu'est-ce que je voulais dire à Olive? Oui, de toutes les... J'allais dire les saisons. De toutes les formations que j'ai faites, je crois que celle-là a été la plus intense. En condensé, enregistrer un max d'infos en un minimum de temps, celle-là, elle a été violente. C'est mardi soir, franchement, j'étais dans un état. Mais je vous dis, même le fait d'ouvrir un navigateur internet, je savais même plus ce que c'était. C'était vous dire à quel point j'étais éteint.
Le cerveau disait non, stop, plus rien, arrêt total des machines. Alors, il y a une technologie, une ancienne plateforme que je ne connais pas. Oh les putains de bâtards. Chez Bao. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le coffre, il y a la première moitié d'une roue qui a été créée pour faire la traduction des textes. Oh, c'est une pierre de Rosette. C'est Bao. En gros, c'est ça. C'est Bao, c'est Bao. Il est bé à Bao. Mais que signifie ? Bon allez, on attache ce boss là ? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une autre partie, un autre fragment. Mais où est-il ? Ouais. D'où mon oh les bâtards. Ouais, parce qu'à mon avis, c'est dans une autre mission. Oh, mais laquelle ? Faut voir qu'on réfléchisse à bord de l'un de nos vaisseaux. Eh bien, le bot il met son laser, moi je passe à travers, je prends pas de dégâts, c'est bon. Énorme. Enfin, quand je dis prends pas de dégâts, je prends 8 points de dégâts, c'est pas ça qui va me tuer. Hein. Tiens, je fais ce duo si tu veux. Ah bah. Je m'occupe de ceux du haut, tu fais ceux du bas, puis comme ça c'est terminé. Allez, bingo. Un en haut. Et deuxième en haut. Voilà, c'est bon. Et voilà. Merci, au revoir à la prochaine. C'est énorme. C'est énorme. Il y a une tech card dans le coffre, je te la laisse. Oh, c'est cool. T'es rigolo. Moi, je veux. Il y a des missions que je retenterai, que je retenterai bien juste pour rire, tu vois, genre. Eh ben. Le pingouin dans sa soucoupe ou des conneries. Eh ben, rien ne nous interdit de le faire ce matin. On se fait une. Un spécial rentrée, là, on va se faire un défouloir toutes les missions de Maboule. Et feu. Le machin, j'ai tiré à vide avec. Le mec, il est ma boule. Et là, la planète explose. A pu. Ah, j'ai fait n'importe quoi, monsieur. Ah, regardez-moi bien dans les yeux. C'est débile. Il a fond, le sage, il a fond. Oui. Dans quelle mission pourrait y avoir l'autre Attends, faut que je retourne dans mon vaisseau pour refaire le point avec mon IA à bord et faire le listing des missions. Ce que je suis en train de faire. Bah, la quoi, laquelle? On a la caverne de cérémonie là. Tu crois qu'on aurait loupé un truc? C'est vrai qu'elle est grande, mais je crois que j'avais. Elle est grande et puis elle était sur Terre dans les profondeurs, donc potentiellement tu peux avoir une salle quelque part. Donc le testing site, non. Non, la grande librairie, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Non, elle était sous l'eau, je pense pas. Le temple Sovereign, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Je sais même plus ce que c'était. Et le temple avec tous les pièges là, le truc des oiseaux là. Ah oui, oui, j'étais pas. Enfin, oui, j'avais. Grâce à toi, j'avais pu passer au boss, mais. L'intermédiaire, oui, j'étais mort comme un caca dans les positions. C'est grâce à toi qu'on avait eu le boss, hein. Ouais, mais. Ouais. Peut-être, ouais. Ouais, bah je pense, en vrai, moi je dirais soit l'Hunting Cavern, soit le Temple, soit le Stronghold. Un de ces trois-là. Bon, donc, bah on va dans l'ordre. Je commence par la caverne. Ouais, allez, on y va. Eh bah dis donc, vous allez en avoir du beau spectacle aujourd'hui sur nos antennes respectives. Je vous le dis, moi, on fait toutes les scènes, les missions spéciales. Alors qu'on est à haut niveau, donc on se promène ou presque. À la vache. Non bah, 100% moi je passe à travers les lasers du boss, je sais pas combien tu prenais de dégâts toi, mais. Rien. Je prenais rien en dégâts.
Je regardais même plus ma jauge de vie, elle bougeait pas. L'insulte qu'on faisait au boss, c'était un truc énorme, quoi. Tu veux des graines de raisin? Il y en a dans le grand tonneau là. Oui, oh non, merci, c'est gentil, mais écoute. C'est moi qui les prends alors. Mais oui, vas-y, fais-toi plaisir. Oh oh oh, rien que là déjà, je suis sûr qu'il y a un truc. Ici, on n'y a jamais été parce que c'était fermé. Ah bon? Pourquoi c'est ouvert alors? Ah parce non, qu'on c'est a fermé déjà toujours. Gagné une fois, c'est ça? Non, c'est toujours fermé. Ah. Je me disais, j'avais espoir que ce soit ouvert. Mais je pense qu'une fois qu'on aura battu le boss, on doit pouvoir y revenir. Bah non, parce que il y a des grilles qui se ferment derrière nous, on peut pas les rouvrir, c'est à marche forcée. Si, parce qu'il veut autre chose. Merde, cette porte est fermée, pourquoi? Bah tu vois, c'était pareil en dessous. Il y a une zone là, toute une zone qui est fermée. Ah, donc potentiellement ça peut être là. Ouais, je pense que c'est ici, mais reste à savoir comment on déverrouille le bordel. De toute façon, je pense qu'il faut rentrer hein, à l'intérieur. Je vais pas rester devant la porte extérieure comme un ego à attendre que tu trouves le levier. Je t'accompagne, on est d'accord. Oui. Ah, mais je te dis, je pense que l'entrée elle est ailleurs en fait. Et on va revenir et ça aura. On aura ouvert toutes les portes. Là y'a rien. Mais moi je me jette dans le trou comme un gros maboule. Alors attends, bouffe. Faut que je gère mon miam. Ah, ça marche pas, les globes oculaires dans la flotte, c'est trop dense. Ils tombent comme des caca, les machins. C'est rigolo. Des graines et des pixels. Quatrième, y'a pas de chance. Dis donc, toi, tu vas mourir. Bleh. C'est scandaleux, on veut aller partout. Oh, les molardeurs de l'espace, là. Mouais. Comme dirait... merde, comment elle s'appelle, la boss de Diablo 2, la première? C'est pas Big Game, voilà. C'est Andariel. Mouais, Vilastico. Elle est terrible quand elle dit ça. Là, y'a rien. Aïe, oui, à part que ça pique. Chapipic. Donc là on n'aurait rien loupé. On n'aurait rien loupé. Attends, c'est vite dit là. Attends. Monter en haut à gauche. Hein. Ouais. Là où il y avait les caisses et les tonneaux, t'as rien vu? Oui. D'accord. Bah il y avait. En fait t'as un passage, mais c'est juste un coffre. Tant de mystères dans l'univers. Y a rien dans la cité. Là. Si je vais dans l'acide, évidemment je vais crever comme un caca. Mais non, y'a rien. Non, il pourrait être sadique, hein. Il pourrait mettre un levier dans les bacs d'acide. Alors tu sais que t'as un meilleur moyen de faire ça. Si tu peux... Hop, tu prends ton truc pour creuser et avec la lumière tu regardes. Oui. D'ailleurs, y a un vase là-bas. Là. Hop. Jamais tu veux un peu d'elle dans le poison. Moi je vais fouiller vers le bas. Nolo. Toi tu kiffes Noulou, hein. Ah complètement. J'avais déjà une première waifu là grâce à Aeroster, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la belle sirène dans Cuphead. Mais j'ai failli dire Cupcake. Le jeu, bon, Cupcake, gâteau, hein, si tu veux, salut fan, en fait. Oui, Gorgonella, merci Aeroster. D'ailleurs, je serais à tomber dans le piège bidon marketing
si un jour je vois dans un étalage la peluche à l'effigie d'elle, j'achète. Je craquerai. Elle est trop belle. Elle est trop bien dessinée. Et Nulu, pareil. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah oui. Ah bah moi aussi j'ai gagné des pieds de vigne, tiens, tu vois. J'ai trouvé. Mais quoi? Oh, il y a un masque. Oui, j'allais dire téléporte-toi à côté de moi, mais tu peux pas. Merde. Comment t'indiquer là où je suis? J'ai trouvé un truc planqué où il y a trois caisses et un coffre. Et c'est sympa parce que dedans il y a un masque, il y a des trucs. Et le masque il est très stylé. Mais je me demande si c'était pas parti trop vite. Ça te parle, petit Seb, ce que je te dis ou pas? C'est trop loin, je m'en souviens plus trop, mais t'inquiète pas, on retrouvera. Bon, c'est pas un levier hein, en même temps, hein. Sinon je t'aurais dit alarme, on a trop de trucs. Non, mais il y a peut-être pas de levier, hein. Je sais pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je suis en train de grimper la montagne, mais dans une partie qui était. Oui, bah non, il y a des pics, ouais. Aïe, merde. Attends, j'essaie de guaquer le jeu, mais évidemment, le jeu va me guaquer davantage. Alors. Ah oui, je n'ai plus certains pansements. Ah bah tiens, je vais mettre cela à la place. Allez hop. Oh, cette planète. Encore un coffre. Aïe. Ça, on l'a déjà fait. Je suis un idiot. Yo. Oh bonjour, j'ai pas vu, il y avait un petit nouveau sur mon antenne. Said Twitch. Bonjour et bienvenue, pardon. Tellement discret les salutations que je les ai même pas remarquées. Ouais, tu vois, moi c'est pareil. J'ai pas vu l'île tout de suite de quoi elle est partie, j'ai envie de pleurer. C'est fou. Happy. Ah, in English. Ok. Alors, il est parti par où le sage? Hi and welcome. Ah, c'était Euro. Pas par là. Yes. Ah, tu es français. Pardon, Said. Du coup, tu vois, tu entretiens la confusion. La 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 la. Alors, est-ce que c'est par là? Je te laisse regarder. Il est où le sage? Ah non. Ouais, je sais pas. T'es toujours à ton endroit là ou t'as bougé? J'ai bougé. J'ai bougé, mais je peux y revenir vite, je crois. C'est trois caisses et un coffre, hein, c'est ça? Oui. Oh, mais c'est bon, j'y suis là. C'est un beau coffre large. Et j'y avais déjà été, moi. Le masque, tu dois. Soit c'est moi, soit c'est toi qui dois l'avoir à la maison. D'accord. Ah oui, peut-être qu'on l'a déjà aussi. Oui, c'est pas à exclure. Merde, j'arrive pas. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Sadet Twitch. Bien joué, Dragon Sky. C'est ça. Hydrater le sage. T'as pas tort, Fun Fan. Je te l'accorde, merci. Je vais me refaire un mug de thé glacé dilué, là. Ça descend tout seul, à vrai dire. One shot. Des graines de banane. Pff, j'ai trop rempli le mug. Merde. Ah. Vous de Dieu. Ah bah là, j'ai bu une bonne grosse gorge. Oh. Attends, c'est quoi ça? Une caverne. Ah non, c'est un coffre planqué. Ah, mais on l'avait déjà eu, ça, je crois. Vicious Mask, enfin, non. Dans le doute. Comment ça, Vicious Mask? Moi, j'ai un Tribal Mask. Non, j'ai un Predatory Vicious Mask. Head. Burp. Donc, du coup, oui, voilà, je sais même pas où est-ce qu'on est, où est-ce que nous allons, je ne sais plus. Bouffe. Faut que je fasse gaffe, je finis par plus avoir de bouffe. Dans le doute, manger la purée mandelaire à toutes les heures, à tout moment. La purée. Dilali, dilali, dilali.
C'est vrai que j'avouerais, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de purée. Oui, j'ai rien contre. Par contre, je voulais me faire une salade de pommes de terre à Aran et oh. Je sais pas, la semaine prochaine, j'irai me faire des courses. Peut-être que je me ferai ça, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, week-end. Hein. Je veux même pas y réfléchir, mon cerveau est éteint. Enfin, mon cerveau a besoin d'un grand repos. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est le truc que j'ai escaladé, non? Je crois. Oui, mais attends, mais il y a un côté opposé. C'est quoi ça déjà? Ah, mais attends. Je vais me servir de la paroi de la grille pour pouvoir escalader le bordel. Attends, l'opposé, je m'en souviens plus. Oh, ça doit être pareil. Il va y avoir des pics sur le côté, non? Ah non, il y a une grotte! Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Ah si, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait. Je sais pas où t'es en haut là, mais moi j'ai tout fait au-dessus. D'accord, ouais. Merde, oh, putain, je me mange des gamelles. Je sens que je vais encore me tuer accidentellement, mais de manière ridicule au possible. Tuer un ange avec les capas de Samu Aran, Metroid. Oui, non, ma tenue, elle est complètement délirante. Oui, c'est ça. J'ai. Alors attends, en fait, si tu veux, Said, il faut que tu saches que dans Starbound, tu as la tenue réelle, tu sais, qui prend les stats de protection, etc., de bonus, qui est la première colonne là. Et celle de droite, en fait, qui est en mauve, parce que j'ai des trucs légendaires ultra rares. C'est l'apparence, mais juste l'apparence. Et je peux pas m'empêcher de faire des tenues complètement dingues et loufoques. Donc je suis en robe de mariée avec des ailes métalliques dans le dos et une coupe afro avec une pince à cheveux dedans, quoi. Ce qui est complètement wouh! Mais j'adore ce genre de combinaison excentrique. Wadi Merde, attends, il y a un truc, c'est pas possible. Ah! Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que Attends, ce délire? regardez, il est où? Attends, c'est pas une porte ça? Ah non. Parce que peut y avoir des portes en roche. Non, sérieux? Cette zone, c'est une grotte qui n'est pas exploitée, qui est vide possible. Tu fais attention parce que moi en passant en haut j'ai activé les pièges et tout, donc il y avait peut-être des endroits où il y avait des réservoirs de poison, etc. Ah, ok, c'était une cuve qui disait pas son nom, qui serait vide. Ouais, ça se tient. Vu comme ça se tient. Bon, je parle de défaut, je vais prendre le truc, même si je pense l'avoir, mais bon, bref. Attends, ça mène à rien du tout. Oui, très bien. Merci. Oui, tu vas le refaire. Oui, parce que t'as écorché le lien de Petit Seb Live. Mais oui, c'est très gentil de partager le lien de la chaîne de Petit Seb. Tu fais bien, fan. Pour ceux qui veulent voir, très très bien. T'es un chef. Merci à toi, FunFan. C'est bien joué. Ah oui, non, d'accord. Non, bah je. Là, dans l'immédiat, je trouve pas. Ou alors, est-ce qu'il faut que j'aille dans la lave? Dans la lave. Dans l'acide. Y a rien dans l'acide? Ouais, non, y a rien dans l'acide. Là, j'ai. Non, bah non, c'est la zone de. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Ça là-dedans, il n'y a rien d'autre. Ça c'est quoi?
Attends, je suis perdu. Où est-ce qu'on est là? Elle est grande, hein, la caverne des Floranes, hein, la vache. La caverne sécuaire là, des Mazettes. Grande inspiration, ça fait du bien. Je me réoxygène le cerveau. Je suis en train de faire demi-tour parce que j'ai exploré la zone sous l'eau là. Bah moi je suis allé dans un cul-de-sac, ça m'a rien apporté. Voilà. Ça, mais la zone sous l'eau, en fait, je suis arrivé jusqu'au prochain, la prochaine zone de combat que j'ai poutré en 3 secondes. Ouais. Et en fait, le chemin pour retourner est fermé puisque j'ai pas activé l'interrupteur, donc je vais revenir en arrière sous l'eau, la galérer à ralentir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe avec le fameux rocher qui tombe? Non, je suis allé tout en bas. Oui, je vois ta lampe torche. Je suis plus le coup et tout. Ouais, ouais. Même en te mangeant les boulets, ça faisait rien. Ouais, ouais. Oui, il y a un moment, il y a Nulu dans l'histoire, la narration, elle se barre un endroit, mais... Mais elle était là, là où t'étais. Mais... Ah, j'ai un turn back, retourne en arrière que j'avais pas en graffiti. Attends, c'est pas mal le coup de la plongée sous-marine. Il y a de ces machins. Donc tu vas me dire, t'as déjà fait la plongée sous-marine avec la grotte? Ouais, tu peux le faire si tu veux. Hein. Ah, elle est jolie. Je peux un truc. Bah, là, il y a un tonneau avec je sais pas quoi dedans. Non, c'est bien pensé le dessin de la caverne. Le niveau, il est parfait. Vache. Ah, du coup, on est motivé à trouver la deuxième partie de la pierre de Rosette. Là, il y a Nulu qui passe. La canaillute de Nulu. Youhou. Aïe. Il y a les pics. Alors... attends, là je vais me manger un morceau, je vais tricher avec les... Ouais. Message de FunFan 992. Le sage, chez Aeroster, on a fait un an de partenariat sur RE6. Et après sur le multi de The Last of Us, avec d'autres intervenants, on a bien rigolé. Vas-y le boss, je te défonce, on n'en parlera plus. C'est bien, FunFan. Ouais, bah je vous enregistrerai, je regarderai la semaine prochaine ce que vous avez fait vendredi. Mais c'est bien, c'est cool. Je continue comme ça en 5 coups sans son armure, le boss, je le tue. Putain, c'est fou quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas ça. Bah, on dirait le truc tentaculaire du début. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! J'ai un levier. Ah, d'accord, non, c'est con. C'est pas. Bon, il y a la sauvegarde du truc. Là. Là, j'ai un pic. Boss défoncé. Ah, l'araignée escarabée, là. Ouais. Ah merde, je peux pas revenir en arrière. Mais non, mais si ils avaient, c'est pas possible. C'est bizarre. Merde, j'arrive pas. Tant pis, attends, je vais faire un truc. Voilà.
Ah, on dirait un peu la voix de Paige. Non mais ça c'est la grille ça. Je sais pas, je manipule un truc, je sais même pas ce que je fais. Alors j'ai un levier, je sais pas à quoi il sert. Il avait peut-être été Non, alors j'ai un levier, je suis catégorique, je sais pas à quoi il sert. T'es où? T'es à la non, mais de la mission? T'es quoi? Ce levier-là, il a déjà été activé. En fait, il ouvre le passage qui pour descendre, justement. Ah, d'accord, ok. Donc, ça n'a pas d'accord. C'est rigolo d'arriver quand il n'y a plus que les restes du boss. Ouais, et je suis bien à la fin de la mission et j'ai rien trouvé. Attends. Ah, merde, t'es déjà rentré dans la salle du boss, du coup. Oui, pourquoi? Parce que je serais bien sorti pour me re-TP à toi. Pour revenir en arrière. Ah. Attends, bouge pas. Je bouge plus. Bac machin. Je me demande si je relance la mission, est-ce que je reviens avec toi ou pas. Si je reviens avec toi, ça veut dire que tout est fait. Je bouge plus. Hein, mais on va le savoir tout de suite parce que si j'ai la boussole qui pointe vers toi, c'est que je suis dans la même mission. Pardon. Salut agent. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour agent. Ah, nickel, ça m'a remis au TP. Donc reste à savoir si tu es bien dans la même session que moi. La logique voudrait que... Bah si. Si je suis au TP, c'est que je suis à la même mission que toi. En plus de la boussole. Donc là, tu vas remener des investigations de fouilles et de... Comme pour moi, j'ai fouillé partout, je vais retourner surtout à l'entrée pour voir si... Ouais. Si on peut y faire quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Oh mais d'ailleurs, est en deux parties, il peut ne pas être dans cette mission-là. Hein. Ouais. Victory. Ah, c'est le grand chef flamme. J'ai le grand Manitou. Le grand Manitou. Là aussi j'ai pas le droit. Non, bah non. Pum, 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 pum. Il est 11h15, je commence à avoir faim. D'ailleurs, je vais peut-être bien réfléchir à ce que je vais manger, moi. Bon. Bah, c'est pas mal de trucs à becter. Oui. Bon. Oh bah non, on peut rien faire. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on fait face à des portes fermées? Oui, c'est de la déco, hein. Ouais, faut le voir comme ça, d'après toi. J'ai trouvé une arme jetable. Des ruches d'abeilles. Oh mon dieu. T'imagines si ça devait exister? En vrai, le canon à ruche de frelons asiatiques. Ouah! En cherchant bien, je suis sûr que tu trouves. L'horreur!
bébé. Bah, on fait quoi, chef? Je ne sais plus, je suis pelle 2. Mmh. Ah ouais, tu peux sortir, je vais garder la mission suivante. Hein. Mmh. Donc, tu disais le grand temple sovereign. Ouais, ou le Stronghold, je pense. Tiens, vas-y voir le Drewing. Attends, je vais refaire les pingouins avec la soucoupe volante juste pour le délire. Non. Mais dans ce cas, je viens. Pour le délire. On est les vilains mourés. Mourés, village décor. Bonjour, Seul Goodman. Ça va bien? C'est cool? Ouais, ça va, merci. Fatigué de la semaine, mais y'a rien d'anormal. Ah, bah bien. Ah, tu vois, Seul Goodman, on est en train de. Un coup, je lui fais combien de dégâts? Je sais pas. À peu près ça. Oh la vache, mais... on est en pleine action à se refaire les missions du début maintenant qu'on est fort dans le jeu, donc du coup on se marre et on essaye de découvrir les secrets du jeu alors qu'on a déverrouillé, mais on la fera pas aujourd'hui, on a déverrouillé l'accès à visiblement la toute dernière mission du jeu. C'est énorme, c'est énorme. Alors pour aller. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Saul Goodman CH. Bien joué, Dragon Sky. Ouais, le week-end Starbound, c'est relaxant, c'est sûr, tu m'étonnes. C'est relax. Ah, il est mort ce con, j'ai même pas vu la mort. Le temps de discuter avec le chat, j'ai même pas vu la mort de la soucoupe volante de pingouin. Désolé, il était trop faible. Ouais, non, mais j'ai compris. La première fois qu'on l'a fait, on a pleuré, on est mort 150 fois chacun notre tour. Attends, je suis un grand maboule, mais non, mais je pense qu'il y a une limitation. Alors, limitation, je vais pas lire, mais... Ah, je suis pas allé sous l'autre poste, moi, après. Ah! Ah! Amuse-toi à y aller! Bah, je suis mort. Comment ça, t'es mort? J'ai essayé de passer à travers les pics pour voir si on pouvait passer de l'autre côté. Hein? Mais il y a un endroit, c'était quasiment infaisable parce que la pique, en fait, tu prenais la première pique, ça te faisait tomber sur la deuxième, qui te faisait tomber sur la troisième, etc. etc. Ah ouais non, ça c'est vicelard, ça. T'es matane. Bon, moi, je vais devoir me refaire de la bouffe parce que j'ai quasiment tout becté. T'inquiète, si moi je suis mort, j'ai pas de problème. Oui, bah oui, vu comme ça... Non, je vais me faire mon petit champ d'agriculture, là, je vais faire la récolte, faire la cuisine et hop, je serai à nouveau peinard. Oh, il est bien ici est ton salut, Saul Goodman, en animation. Bien. Des goûts, j'ai des couleurs. Réfléchissons. Alors, dans le frigo, je vais mettre les pousses de raisin. Je ferai de l'agriculture une autre session, une autre fois. Du coup, tu vois, tu m'as complètement branché sur le côté action et exploration des derniers mystères de l'univers. Tu vois, là, c'est vraiment, je suis à fond dedans, là. Ouais, tiens, je vais m'en faire. Bah après, si tu veux, tu peux vite fait te refaire le mining pour avoir toi aussi ta moitié du médaillon. Ah! J'avais pas réfléchi comme ça, mais oui, ouais. Non, je serais intéressé de que je le découvre à travers toi, quoi. Après, quitte à ce que plus tard je m'amuse à vous le refaire en direct à ma sauce, je sais pas, pourquoi pas, mais bon, bref. Attends, non, pardon, là je réfléchis à mes ingrédients et je suis en train de me dire que je ferais bien de foncer dans les champs, récolter les aliments sains bons pour la santé. Oui, bon appétit à tous ceux qui miament, ouais. Ouais, tu vas commencer à faire à manger, Olive, ouais, t'as faim toi aussi. Bon appétit à tous. Oui, moi aussi, je reconnais que j'ai le bide creux, là, c'est... non, mais je suis content, en fait. Je m'étais dit, cet été, avec les promenades, je salue Nayonet, d'ailleurs, de perdre du bide. J'avais beaucoup trop de graisse abdominale, là, je prenais un mauvais chemin.
Et les promenades et X trucs ont fait que, bah, par exemple, moi, ma formation, je l'ai au bâtiment à pied tous les jours. Et en gros, alors, je dis bien en gros, je traversais la ville de bout en bout d'une seule traite, un coup le matin, un coup le soir, et c'est bien. Et j'ai perdu du bide, je suis content. Pas autant que j'avais espéré, mais j'ai perdu pas mal de bide. Donc, je suis satisfait. Parce que là, j'étais devenu trop gras au niveau des abdominaux. T'as le piaf qui me graisse. Bleu. Alors que je suis en train de faire ma cuisine en extérieur. Oh. Je vois les choses. C'est quoi ? Alors. Quoi, du fromage? Ah bah oui, je suis bête, j'ai du lait sur moi. Oui, je peux faire du fromage, oui, en effet. Après, je vais faire du fromage. Le temple ou le stronghold? Le temple, il me semble qu'on l'avait bien fouillé avec tous les pièges et tout. À toi de voir, vas-y. Moi, je vais me téléporter à côté de toi dans moins d'une minute. Moi, je vais go sur le stronghold, du coup. On verra. On fera le temple après, si... Attends, côté si jamais y a besoin. Mimi, j'avais pas un téléporteur, moi. Eh oui, que j'ai un téléporteur. Eh blam, allez, tout l'argent. Ah, Saul t'a dégoté une Toyota Chaser Tourer. Oh, c'est quoi ce déluge? Vache. Sur le déluge. Non, on avait déjà fait ça par là, je crois. Oh, la logique. Et qu'au bout d'un moment, on tombe comme une grosse merde. Ouais, la logique voudrait qu'on ait fait ça. Ah oui, non, il y avait la pluie qui tombait sur le mur invisible qui nous empêchait de monter plus haut, c'est vrai. Ouais. C'était très drôle. J'ai peut-être envie de sauter jusqu'en bas, c'est insane. C'est un peu ce que j'ai fait. Attends, leur tour interminable, là, ça cache quoi? Mais qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Ok. T'es où, là? Ah, je t'es monté sur la tour. Oui. Ouch. J'ai mal évalué l'arrivée du sol, moi. Donc, eux seraient susceptibles d'avoir... Attends, j'ai scanné, là. Ah oui, j'ai scanné. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le bordel. Mangeons ça. Ah bah tiens, j'ai un bonus d'énergie, ce qui mange énormément. Ah! Ah! C'est là! T'as trouvé, petit Seb. Eh, je me rappelais de cette porte-là. Donc c'est ici qu'on a le deuxième. Ouais. Et moi, je ne m'en souvenais pas du tout. Tu es trop fort, petit Cheb. Ah, je m'en souvenais pas, mais je me souvenais qu'il y avait des portes dans celui-là et qu'on n'avait pas réussi à ouvrir plus que dans l'autre, alors... Le levier. Où est le levier de ce foutu truc? Enfin, les deux leviers, parce qu'il y en faut deux. Attends, est-ce que ça serait pas ça? Oui! T'en as activé un. Je m'étais amusé à tourner les valves. C'est des valves, c'est pas des leviers. Donc je te dirais que quand t'auras fait la deuxième, je reste à côté du truc. D'ailleurs, je vous joue de la musique en attendant. Et la porte, c'est toujours pas ouverte? Bah non, la puisque petite. T'as fait un levier sur deux, ou une valve sur deux. Il y a toujours deux verrous pour ce genre de porte. Oui. Le méga capa que je vais vous jouer, la fugue en G mineur, à la guitare électrique. La mission, elle est moins loin de la dernière qu'on a fait. Du coup, bon, je prends pas de dégâts parce que j'ai l'armure ultime, mais mais au niveau des dégâts à faire, je suis pas encore à fond. Non.
On avait fait pour aller par là. On va un petit peu dessus. Nous allons découvrir le plus grand secret de l'univers. Ouais, ça va être ça. C'est vrai. Ça va vers là. C'est énorme. Et toujours Palia. Ah non, pardon, mauvais jeu. T'aimes bien les zik. Ouais, bon, mais toutes les zik sont très très bien sur. Alors j'avais déjà donné l'astuce, c'est-à-dire que dans le Starbound, dans les fichiers du jeu, les mélodies qu'on joue là, c'est proche du format MIDI, hein, je t'ai déjà raconté à l'époque. C'est un format de fichier qui s'appelle ABC. C'est des fichiers ABC que vous pouvez via un mod, je crois, ou glisser dans le répertoire du jeu pour avoir plus de musique à jouer. Et alors, je peux pas l'expliquer, mais je le constate, c'est que sur Internet, lorsque vous cherchez des bases, t'as trouvé, t'as tout déverrouillé, bravo. Là, les deux logos sont lumineux, Tissem. Ah, ah ouais. Bah, le deuxième, c'était une table de contrôle. Ah. Non. Bref, quand vous cherchez dans les bases de données sur Internet des fichiers ABC à télécharger pour compléter votre ludothèque, votre discothèque, il se trouve qu'il y a énormément de balades irlandaises. C'est, voilà, je ne saurais l'expliquer, mais il y a beaucoup de balades irlandaises. J'avais écouté quelques-unes à l'époque quand je bidouillais déjà Starbound en mode modé justement. Et sympa, vraiment sympa. Coucou. Oh, coucou, tu une scène. Oh, je devine que vu l'heure, le jour t'es allé faire tes courses. Si je ne m'abuse. Tu rentres du supermarché. T'arrives pas à me rejoindre, petit Seb. C'était si long que ça? Ouais, en fait, je suis obligé j'ai avancé pour pouvoir retourner en arrière plus tard, mais du coup, tu sais, je suis tombé sur le. Tu sais, la zone où tu actives et que t'as le chrono, et pendant ce temps, t'as plein de robots qui t'arrivent dessus là. Ah merde. Merde, bah non, c'est pas la merde. Enfin, sauf pour eux, parce que je suis en train de les défoncer, mais. 4 d'un coup là. Allez hop! Ce que je comprends pas, c'est que la porte est pas ouverte. La petite juste avant? Ouais. Je réagis seulement maintenant et je me l'explique pas en fait. Pourquoi cette porte reste fermée? On le produit pas, que je sache, la Jed. Il faut aller l'acheter. Il demande comment on fait pour avoir du bacon dans Stardew Valley. Dans Starbound, pardon. Le raw bacon, tu l'achètes sur la station intergalactique. Tu vas dans la petite supérette qui est proche de l'arche, là, des ruines. Mais le produire, j'ai jamais su le produire dans le jeu. Tu ne peux que l'acheter.
fermé. Ce matin, c'est tondeuse, dit une scène. Je suis déjà en eau. Cet après-midi, direction théâtre André Malraux pour incroyable talent. Ah, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Le fromage, tu peux le fabriquer. Le fromage, il faut avoir une brique de lait. Donc en fait, il faut acheter des œufs de vache, toujours dans la station intergalactique. Tu achètes des œufs de vache, tu sais, la nana Florane qui est dans sa. Dans son. Justement, sa grosse caisse de stock de bateau, là. Son container, je cherchais le nom. Le Terra Marte. Ouais, tu vois. Et en fait, la fille, tu lui demandes pour 2000, 3000, enfin, les prix sont différents. Tu peux acheter 6 animaux différents sous forme d'œufs. Tu achètes l'œuf. Tu le laisses éclore, évidemment, sur ta planète. Ça arrive assez rapidement. Les premiers œufs de base, les mochi, là, les vaches en japonais, là, vont te donner du lait. C'est celle que tu vois que mais j'ai. Mais je me demande s'il n'y a pas dans les autres animaux que tu peux avoir certains qui te donnent du bacon, justement. Pas que je sache. Il est vrai que je ne les ai pas tous faits. Il y a un moutmout qui donne les échantillons de venin en vert, là. Il y a un moutmout à grosse corne taureau qui est flamboyant et qui te donne les mini volcans du résidu volcanique qui est un élément assez important dans le jeu. Tu peux faire des trucs avec. Et les autres, je sais plus. Peut-être finalement. Mais c'est bizarre. Qui c'est qui irait générer de la viande? C'est waouh. Le mec, la bestiole, elle se découpe d'elle-même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, non, le fromage, en fait, la vache te donnera du lait. Et la brique de lait, tu peux par toi-même il faut un établi de cuisine. Tu pourras transformer ton lait en fromage, la Jed. Oh. Je veux produire uniquement de la pizza, oui, hawaïenne, jambon, ananas, ouais. Comment on passe là-bas? Ça choque que moi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est Starbound, Saul Goodman. C'est bon, bref. Ce sont les auditions, dit une scène pour incroyable talent. Ça a commencé depuis mardi. Peut-être que dans le public, il va y avoir un montage de fou. J'ai aucune date de diffusion. Ouais. Ah mon dieu. C'était le problème qu'on avait eu la dernière fois, on n'était pas arrivé à ouvrir. Ah, t'as fait comment? J'ai juste appuyé pour ouvrir. Ah merde. C'est la fatigue de la semaine. Cherchez pas. Non mais cherche pas hein. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était pareil. On dit putain, elle s'ouvre pas et tout, et on n'a jamais cherché à appuyer. En fait, pour ouvrir la porte, faut la pousser. C'est la porte, il y a une poignée, faut l'utiliser. C'est ça. Comme on dit chez moi, Foy de Lorrain, faut clincher. Oh, le tentacule en rocher. Tu on peut l'analyser. Ouais. Ouais. Je l'avais déjà fait. Qu'est-ce que j'entends? Ah, j'ai un appel pas conventionnel. Ah. Attends, excusez-moi, ça m'intrigue. Oui, pardon, c'est exceptionnel, mais... Thunsen dit, je retourne à mon herbe. Oui, bonne tondeuse, Thunsen. Qu'est-ce qui se passe? Amuse-toi bien. J'ai pas compris. Mais vas-y, moi je vais poutrer le boss pendant ce temps. Oui, vas-y, va poutrer le boss. Oui, donc c'est t'as les deux trucs de Rosette, c'est ça? Ouais, c'est bon. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut en faire? Oui, pour toi, il s'est rien passé, du coup. Ben, il faut peut-être revenir dans la... Il faut peut-être revenir dans la mission de la mine, puisqu'il y avait un texte qui était sur le mur.
Là, on pourra peut-être le traduire, non? Le boss, je l'avais oublié, lui. Là, mon petit. Attends, je suis... En fait, tu sais quoi? Je vais retourner pendant que tu pètes le boss. Je vais retourner là où il y a le... Dans la mine, là, avec le cristal. Je vais y retourner, en fait, parce que... Souviens-toi, il y avait une plaque au mur. Et toi, tu vas peut-être pouvoir la lire, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. T'as peut-être une vérité qui va t'être révélée, en fait. Ah bah je suis mort. Ah bon? Ah merde. Non bah ce boss là il est coriace, tu sais, c'est l'hologramme ouais, là ouais. Qui balance des missiles dans tous les sens là, et j'ai fini par me faire tuer. Mais si je me fais tuer c'est uniquement parce que je fais pas assez attention à mes PV hein. Ah oui, d'ouvrir de l'autre côté, oui c'est tout ce que j'avais pas fait dernièrement. Oh non, ça fait dégueulasse. Bah moi j'ai fait du désherbage d'une commune toute la journée vendredi sous la flotte, génial. Oh putain dur. Niveau Dragon Sky. J'ai même plus, d'ailleurs, je sais même plus si j'étais passé par là tout à l'heure. Je crois que j'ai refait le même schéma de voyage, on va dire. Non, ce que j'aurais dû faire, c'est buter quelque chose en fait. Quoique non, ça va. C'est quoi ça? Arme unique. Oh, j'ai eu l'arme unique du boss en battant. Ah si, là j'étais ouvert le... Alors pour une fois j'ai ouvert l'accès. Donc ça, t'auras pas à faire le tour si tu veux me rejoindre. Voilà, pour le coup, j'ai eu le réflexe. Attends, j'ai pas une part de gâteau qui rend plus violent? Non, merde, dommage. Faire le tour, tac tac tac. Ah je t'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on fasse ça aujourd'hui et c'est voilà, je suis content, ça m'aide d'être fort original comme là vous avez quasiment du 100% action. Merde.
donc du coup. Ouais, je suis mort, j'ai perdu de la thune. Ah merde! Il faut réouvrir le sas. Je pensais qu'il serait resté ouvert, tu vois, moi, comme un gros nigo. Non, il faut. Bah non, la mission se reset. Merde! Ouais, c'est bien ce que je disais, mon vaisseau est pas au plus grand, il y a encore, il faut encore 150 000 là pour, pour la dernière licence. Eh ben. Lui, il va en quad. Hein? Ah tiens, c'est quoi? Ah bah j'ai trouvé! Le vendeur de trésors là. Ouais. Qui est à côté du TP là, près de la mamie. Oui. C'est à lui, je peux échanger les deux trucs contre le. Ah, les coupes en or! Ouais, contre l'ancien alphabet. Non, pas les coupes en or, les deux morceaux de la roue, là. Ah, d'accord. Et du coup, il se passe quoi? Je sais pas, attends, j'ai pas encore fait. Là, il y a des trucs... Mystère. Tu vois, la Vénus de Pixel, il te faut une statue de chaque... De chaque race. Ensuite, t'as une arme là, lanceur de fusée, il te faut une fusée de chaque couleur, plus de l'argent, plus une batterie. Là t'as l'objet générique parfait. Et c'est marqué peut-être un peu trop parfait. Voilà, tu sais pas, il te faut des trucs là, le Scorch Core, Cryogenic Extract, machin. Il y a la même chose pour avoir une espèce d'arbalète, marqué arme unique. Bon, attends. L'ancien alphabet, il est là. Oh! À ce point, ça y est, t'as eu accès à la connaissance universelle. Tu sais tout, tu vois tout. c'est littéralement un alphabet. Un rapport entre nos lettres de l'alphabet, de A à Z, avec les symboles anciens. D'accord. Le A, c'est tel symbole, etc. Et il y a les chiffres aussi. Ça va nous permettre de traduire les... Bah justement, la plaque qui était dans la... C'est cool. C'est très cool. Mais ça va être à nous de faire la traduction. C'est cool aussi. Ibi. En train de chercher les leviers? Non, même pas. J'attends bêtement en fait. C'est vrai que je les ai même pas cherchés les leviers. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Putain. Oh, le mécanicien, je vais le virer en fait. Comment ça me gonfler? Mais parce que je fais des trucs dans mon vaisseau, donc il croit que je lui parle et après il me suit en mission. Par contre, le problème c'est que t'as pris le checkpoint, du coup ça me TP au checkpoint. Pour voir le premier interrupteur, ça va être moins facile. Phase de retour en arrière là. J'y suis arrivé. Je l'ai plus où il était, mais je vais retrouver. Hein, c'était pas là. Bonjour Cocosi, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais non, c'est pareil, c'est arrivé. Merde! Oh là, j'ai failli me tuer. J'ai voulu faire un saut, me mettre en boule pour adhérer à un truc. Et en fait, je me suis jeté dans le vide en boule. Bien joué. C'était pas en bas que je l'avais trouvé. Je suis sans déconner, je vois même pas où sont les leviers de la porte. C'est pas là. Ouais, je suis pas là où il faut. Carnage.
Ah, c'était là. Mmh. Ah, bien, le premier déverrouillé. Bien joué. Non, pardon, je vais aller aux toilettes, je reviens. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Pardon, me revoilà. Excusez-moi. J'arrive. Oui, alors du coup, je suis complètement déconnecté du truc. Alors, es-tu parvenu à traduire le message étrange? Je suis en train, c'est compliqué. Tiens, si tu veux apprendre le codex. Ah bon? Oui, merci. Du coup, tu peux te prendre le morceau là. Ah. Dans le coffre. Attends, il y a des chiffres aussi, un morceau dans le coffre. Oui, oui, merci. D'accord.
Non, je le connais déjà. Alors, attends, visiblement, je peux jouer de la musique en même temps qu'on va lire le truc. Je pense que ça doit être un truc à la con qui est marqué, je te jure. Ceux qui regardent mon écran, à mon avis, vous pouvez déjà traduire en temps réel. Tu peux éclairer le truc, s'il te plaît, parce que j'ai plus la lumière. Merci. Ouais. Deux secondes, c'était en fait je passe sur le chat de mon stream j'écris au fur et à mesure les lettres parce que c'est compliqué à tout traduire. Alors le bas je te dis c'est retour, return. Le bas c'est retour, return. Comme ça, Bah j'étais en train de le faire, tu me spoil tout. Ah pardon. Ok, bah c'est bon, moi je l'ai. Tu l'as traduit toi ou pas? A plus, Goodman, merci. Bon week-end à toi, merci tout bien de passer. Non, j'étais en train de le faire, donc j'avais un double. Bah, je t'éclaire, vas-y. Merci. Comment ça? It will return? Ça reviendra? Ouais. Mais quoi, ça reviendra? Bah juste ça reviendra. Bah je pense qu'il parle du boss final hein. J'ai tellement envie de lui taper dessus maintenant. Ah, la tentacule. D'accord. Enfin le Kraken de l'espace ouais. Ouais. D'accord. Tiens sur le l'hologramme j'ai eu ça là. Ah l'arme. Oui c'est stylé. Stylé. Kembao. En fait, tu maintiens ton clic, mais tu peux charger jusqu'à 5 roquettes en même temps. Ouais, non, ça fait des dégâts. Bien vu, bien vu. Ça reviendra. Qu'est-ce que c'est le message? Ça reviendra. Ouais, je fais ceux du haut, tu fais ceux du bas. Allez, le haut, c'est bon. Mais tu peux plus vite que moi parce que moi, il faut que je retourne dans l'interrupteur entre les deux. Ouais, bah oui. Ah ça là j'ai les pixels. Je crois que je les ai même pas ramassés la fois d'avant. Du popcorn. Oh mon dieu. Bah voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais après, il doit y en avoir d'autres à d'autres endroits, tu vois. Ouais. Il ne doit pas y avoir que celui-là. Ah, c'est obligé. Ah, non, mais le jeu est bien fait. Hein. Franchement, il est. Il y a plein de trucs à revoir. Enfin, à revoir. C'est pas une critique, c'est. En tant que joueur, on est obligé de revenir sur des lieux anciens où. C'est très bien. C'est très bien. Et la rejouabilité. Oh la vache. Je suis chez les nounours dans la station intergalactique.
La ponceuse. La foreuse en diamant, elle coûte 4500 pixels. C'est-à-dire le côté précieux de l'objet. Oh, la chaise tombe. Putain, je me souviens même plus qui proposait ça en élément de décor. Ouf. Ah non mais là c'est les ça là c'est les décors de la famille Adams. Faut arrêter les gars. N'importe quoi. J'ai que fou. Ça c'était quoi déjà? Greetings, le Captain Noble. I'm looking to become my partner in crime fighting. Ah, tu peux devenir le coéquipier d'un shérif de l'espace. Ah oui, c'est oui et me rejoindre dans ma humble base astéroïde. Oui, c'est pour faire des missions en Metcha. Non. Non. C'est les quêtes de chasseurs de primes. Ah bon. Et puis du coup, bon, attention, on va vers les midi là. Il est quasiment midi. Je sais pas si tu dois jouer encore un peu ou pas, mais. Tu avais la quête pour toi, petit Seb, de déployer ta station orbitale. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai plutôt envie de retrouver un temple des oiseaux là pour avoir le sarcophage là pour les autres. Mmh. Et je sais plus. Je crois que j'en avais trouvé, mais je sais plus où. D'accord, d'accord. Et je crois que j'ai pas dû sauvegarder. Simuche. Vers le vaisseau pirate. Le vaisseau pirate. Simuche, est-ce qu'il y en avait Simuche. Pas un plus loin de temple? Je sais plus. Je n'ai pas gardé. Hop. Et c'est chez lui qu'il y avait la deuxième partie de la... Oula, j'ai le jeu qui rame, il y a du mal à charger le niveau. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, sans les mains. Et puis là, je crache. C'est trop fort. Non, non, ça va. Oh bah tiens, je vais... Hop. Ah oui, mais je voulais pas... Je peux le brûler. C'est moins facile. Je te vois avec très peu de PV. Ouais, j'essaie de gérer au mieux. Ouais. Effectivement, j'avoue. C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est un échantillon de matière. D'accord. Perdu Olive. Ah, c'est ça, d'accord. Et nous, tu m'as dit c'est un chapitre de commande. Alors, est-ce que je... Non, là, je peux pas. Dommage. J'ai pas mangé le bon ingrédient.
Sur une planète, j'ai deux mobs sur la gueule. Qu'est-ce que je fais? J'attends que les deux soient bien en train de me taper dessus pour les one-shot avec mon marteau, tellement j'ai l'armure. Le mec a un mal et coups. C'est n'importe quoi que moi et vous le dit. Youhou. C'est le bazar, c'est le boxon, c'est le bordel. Ah oui, l'astuce était de passer par au-dessus. Bon, lui, le gros vilain, il va mourir. Allez, danse. Danse. Alors, danse. On connaît. J'avais un oiseau qui me poursuivait, j'ouvre la porte d'une maison. Où les mecs se sont retournés avec leur flingue, l'oiseau il a pas fait 3 secondes. Excellent. J'ai cru un instant que c'était un bouton ça, mais non. Attends, je suis débile ou quoi? J'arrive pas à évoluer dans le truc. Il y a un interrupteur qui m'a échappé. Ah bah oui, c'est celui du dessus qui m'a échappé. C'est bon, j'ai trouvé. Oui, mais oui, mais c'est pas le bon sens en plus. Comment ils font ça? Enfin, si vous... Ah oui, non mais c'est des génies. Autant l'avouer. Ou pas. Ah non, attends, tout n'est pas si clair du coup. Je finis la voix. Yeah. Oui, mais oui, mais oui, il est pas fini. Non, c'est un capteur. J'ai été détecté. Do you believe it don't go away? Attends, j'ai une suspicion de trucs planqués, sauf que pas du tout. Il y a rien de plus. Ouais. Je te dis ouais. Alors ça c'est la suite de l'histoire, je présume. Bah oui. Il y a des. Attends là, ils sont partis pour me trucider alors que je suis même pas prêt à me battre. Mais je sais, c'est le boss de mes deux. Ah, il m'a brisé mon bouclier. Brigand, va mourir. Message de FunFan 992. Je vais manger à tout à l'heure. Un bon appétit, à tout à l'heure. Moi aussi, c'est vrai que je commence vraiment à avoir le creux. J'ai la chance d'avoir le choix du miam, mais j'ai pas fait mon choix en fait. Je peux faire des salés, champignons, je sais pas quoi. Je suis mort comme un caca parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas grave. Je peux me faire du poisson pané, mais je pense que j'ai tellement faim que ça me suffira pas une boîte complète. C'est dire. Oh, si je me fais des pâtes, c'est un peu tard. Ou steak légumes. Je sens qu'un bon steak légumes va me satisfaire à donf. Ah, GG, tu es une scène, t'as fini de tourner ta pelouse. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, du coup, je suis à nouveau éteint. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, qui, comment, que quoi. Je ne sais plus. Mais tu perds les... Mais qu'est-ce que tu fais sur une planète Je trouve des choses. Oui, je vois ça. C'est qui ce mec? Il y a un mec avec un casque bleu. Ça, il bosse chez EDF, le gars.
Oh, c'est beau. Oh mon dieu, toutes ces machines qui gèrent de la lave. Là, je trouve qu'il y a un petit air de Minecraft. Faire des grosses machines qui gèrent la lave. Oh, Minecraft, j'y ai pas touché depuis 15 jours. Je suis en manque. T'as pas idée. Enfin, vous avez pas idée. Voilà, dans quoi je vais me fourvoyer? Non, faut que j'arrête parce que je vais crever comme un caca. Je sais même pas où je suis. Justement, je suis en train de faire l'inverse de ce que recommandait le bouquin de voyage intergalactique. Bah, en fait, je suis en train de finir de fouiller la planète sur laquelle on a trouvé le dernier truc là pour le scan. Là, j'ai l'impression que j'arrive dans une plus ou moins espèce de vie humaine là. Oh, un interrupteur que j'ai pas. Oh, un type d'ascenseur que j'ai pas. C'est bien. C'est bien. Eh ben, dis donc. Oui, dis donc. Est-ce que je peux augmenter mon vaisseau? Moi, j'ai 6 modules. J'ai de la thune un peu partout, je crois savoir. Attends, voir que je fasse le point avec la. Alors, ma thune, je sais même pas où Il y a des je slimes partout. range. Pardon. Merde. Donc, si je cache mon interface, ça va pas m'aider. J'ai pas plus de thunes que ça? Oh. Attends, j'ai dû ranger ma thune ailleurs. Ben voilà, j'ai fait le tour de la planète. Ah, Pour la mais peine, je saute dans la lave. de là, Eh ben non, je peux pas. le petit bain chaud de la lave. Tu perds les autres, Twinsen? Et faut vite aller à l'hôpital. Le pitou. Ah bah elle est là ma machine à pixels. Mais si je m'en étais fait une. La bonne blague. La bonne blague. Ah si j'ai de la thune. J'ai 12 000 déjà. J'ai à force de mettre des pixels compactés à droite à gauche. Je recours après tous mes containers pour retrouver toute ma fortune. Bon, j'en suis à 12 000, ce qui est pas mal. Mais je crois qu'il faut 20 000 pour le prochain vaisseau. Nanana. Ouais, j'ai mes locataires qui cotisent pour moi. Il faut que j'aille dans la station intergalactique. Parce que j'y vais à l'aveugle, à vrai dire. Je sais plus du tout où j'en suis. Attends, je vais demander à celui qui vend les extensions du vaisseau. Il me faut quoi? 40 000? 20 000? 40 000? Oh. Pardon. J'ai fait qu'une transforme, hein, je crois. Il me faut 20 000. J'ai 12 000. Ah merde, c'est con. Pour avoir la crest. Questrelle. La catégorie Crestelle de vaisseau. Où est-ce que j'ai mis la thunasse? Grande question. Ground creation. Ou alors, je suis peut-être pas plus riche que ça, en fait. Il faut que je continue à faire de C'est une autre l'agriculture. possibilité. Bah, à craindre, ouais. Attends, je regarde mes derniers containers. Oh les vaches, c'est dingue les vaches que j'ai dans partout, c'est nimp. Attends, là j'ai encore plein de containers. Ah, ceux-là sont bien vides. Ils sont vides. Ah non, j'aurais pas plus. Oh là là, tu te souviens? J'ai mon armure du début avec le drap déchiré en évacuant en panique de la Terre. Je sais pas si t'as encore le tien, si tu dois l'avoir quelque part. Donc, le drap déchiré, tu veux dire la cape? Ouais, de tout début. Mais je la porte toujours, hein. Ah, tu l'as toujours sur toi. T'as rien changé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Si, j'ai changé le skin, mais Ouais. quoique, j'ai dû changer juste la tête et l'œil. Et bah non, c'est tout. J'ai rien dans les bibliothèques. Alors déjà, j'avais des... N'importe quoi. J'avais des modules là, de trucs louches dans la bibliothèque, alors que ça a rien à foutre là.
J'ai dû poser ça à l'arrache, mais alors avec le mépris le plus absolu. Non. Ah, je suis pas plus riche. Donc c'est pas dans cet épisode que vous me verrez avoir une extension de mon vaisseau. Dommage. Mais ce serait bien que je définisse un coffre qui soit dédié à la thunasse. Ah, j'en ai encore là. Alors attends, 13 000. J'ai retrouvé un pixel compacté. Oh mon dieu. On fout partout, mais à Paris, c'est plus où c'est. Ouais, bah oui, non mais... Oui, c'est le boxon. C'est le bazar organisé, comme on dit. Alors, est-ce que je l'ai, donc, la trappe... Hop, hop. Ah, j'ai la cloche d'alarme. Excellent. Est-ce que j'ai le fameux émetteur de flammes que toi t'as loupé à numériser. Attends, je regarde. J'ai le truc de pression. Ça doit être dans les pièges, dans les objectivables, sûrement. Eh ben non. C'est le premier truc que je suis allé voir et j'ai pas trouvé. Alors, est-il ailleurs ou sommes-nous condamnés à le fabriquer? Je pense qu'on est condamné à le fabriquer et qu'on peut pas le dupliquer à volonté avec du fric. Ouais, ou alors comme c'est un piège d'un truc spécial, on peut juste pas le faire. Ouais. Peut-être. Tout est possible. À ma gueule, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que... Ah oui, tu m'as mis des trucs, franchement. Mais regardez-moi ce boxon avec ses Pokémon. L'autre, la fleur qui danse. Je me demande si c'est pas un hommage à Mario. Hein? Ça m'en a tout l'air. Le mob, je l'ai tellement pulvérisé qu'il a même pas lâché de pixels. Alors, ouais. Je vais ramasser juste parce que le sage, il a besoin de cuivre. Non, merci. Ouais, faire le fameux rail. Le rail qui fait le tour de la planète. Pardon. Non, merdoum, je me mets à bailler. Enfin, à bailler, à sommeiller. On sait bien, ça veut dire que je me détends et que je retrouve de l'énergie au final. C'est cool. Comment je déboîte mes ennemis sur ma planète choisie, qui est sûrement ma planète d'origine d'ailleurs. Donc de niveau 1, pour pas dire niveau 0. Ouais. Je ne peux plus me faire menacer ici, c'est beau quand même. Ah, la pluie. Arrosez-moi donc ces champs. La la la, la 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 la. Mais oui, non mais si, mon métro... Enfin, ma première rame, on va dire, de métro est terminée, là. Je l'ai pas testé, mais... Ah non, j'ai pas mis les néons. J'ai dû déposer le matos qui part, et j'ai pas fini de le construire. Mais il est opérationnel. Cependant, il manque de la... Comment ça s'appelle? De la lumière, les néons. Des éclairages.
un nouveau codex. Deux nouveaux codex. Elle est où ? Parce que autant que je demande les néons. Merde, mais je suis débile, moi, c'est pas possible. C'est en bas. Oh là là, j'arrive plus à mémoriser quoi que ce soit. J'ai encore les effets, enfin néfastes. Les effets cerveau ramolli hein, de ma semaine, mais quelque chose de bien. Ça, il va falloir du temps pour revenir à la normale. À mon avis, la prochaine nuit de sommeil va m'être encore plus bénéfique. La nuit de samedi à dimanche, du moins je l'espère. Alors attends, il est où le néon ? C'est ça, je crois. Voilà, exactement. Comme ça, j'ai plus de néons installés dans le métro. J'y fonce. J'essaye de terminer le bel ouvrage. Voilà. Effectivement, il me faudra du cuivre pour faire des rallonges de rails. Mais de toute façon, là, il faudra même que je jongle avec ma thune pour me racheter des néons. Mais ça prend forme, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'installation prend forme. J'ai chaque beau. Voilà, bien. Bonne pluie modérée, là. Presque forte sur ma planète. Les sols sont bien imbibés de flotte, ça va pousser, croître à volonté. Très très bien. Allez, ça pousse. Et je crois que j'ai pas une grande longueur. Oui, il me reste 3 fois rien. Oh, j'ai pas. Je suis dans les sous-sols de ma planète, j'ai envie de dire le cuivre qui me manque, je me le trouve. Sérieux. Ah, qu'est-ce qu'il va lui arriver à lui? Ah bah, il prend cher. Il prend cher, c'est rigolo. Ah non, là, il n'y a plus rien. Mon perso a faim. Bon app hein, pour ceux qui passent à table. Je sais pas ce qu'on cuisine à la maison, mais ça commence à sentir bon alors. Ah, Vénard, t'as ton cuistot pour toi. C'est bien. Non, moi ça va être steak haché, légumes. Je sais pas encore quel légume. J'adore les légumes. Alors, je sais pas que je vais prendre plus faut mettre, parce que tout n'est pas compatible avec les steaks, mais. Mon avis, ça va être steak flageolet. Je vais m'éclater la panse. Ça va être un truc de genre là. Bon, allez, je creuse joyeusement. Là aussi, c'est vrai que j'ai pas développé mon manipulateur de matière. C'est fou comme j'ai négligé cet aspect du jeu. Alors que c'est vachement important. Je crois que j'ai mis que la puissance, si ma mémoire ne travaille pas. Attendez, je vais essayer de l'optimiser sous vos yeux ébahis. Non, ça je veux pas. Les modules, là j'en ai 34, 36. Ce qui veut dire que... Ouais, j'avais la puissance à donf. Ah non, j'avais pas la puissance à donf. J'avais pas le dernier palier que je viens d'obtenir. Ah... Je viens de m'acquitter d'un coup de 32, ce qui est pas rien. Mais j'ai plus de puissance. Ou alors, attendez. Oh la vache, j'en ai des trucs. Je vais vider mes poches. Là, j'ai plein de bouquins. Je vais mettre dans ma bibliothèque comme je suis chez moi. Et je serais presque tenté de me d'aller dans mon vaisseau et de me mettre à la surface de la planète à laquelle je suis en orbite, qui est la planète d'iceberg là. On va s'amuser à explorer le fond des océans.
Zoulézéen. Non merde, je vais dans les apparts des locataires, ça va rien m'apporter du tout. Puis là, c'est bête, ils sont sans animation, là, ils restent en mode 1, 2, 3 soleil, c'est un poil couillon. Ouais, c'est dommage, quoi, je veux dire, ils pourraient avoir plus de vie. Alors, je sais que ma maison est encore pas mal vide, je l'ai mal aménagée, mais... ils ont l'embarras du choix des trucs avec... J'essaye de revisiter, tu vois, des... d'anciennes planètes. Oui. Je viens de tomber sur une foutue sur une base de ta race. Ouais. Bah ça me fume parce que c'est une des planètes du début en fait. C'est une planète ultra facile. Et il y avait tout sur place quoi. Hein. Bah en tout cas il y avait un. Attends, je pense que je peux éteindre ma lumière parce que j'ai. La lumière naturelle qui fait le boulot. Oui, on va aller. Mais non, mais. Si, ah non, si, non, j'ai eu raison, pardon. On va aller. Tu veux mourir, toi ? Crève. Les océans. On va sauter de l'iceberg et on va se barrer. Pareil, t'avais projet de t'acheter un navire pour aller sur les planètes océans. Ouais, mais je l'ai pas fait. C'est le jour quand tu prendras ta retraite. T'achèteras un navire, t'iras sur une planète. Je l'ai pas fait pour plusieurs raisons, et il y en a une, c'est que. Bah, en fait, t'as la. Une fois que tu l'as débloqué, t'as la boule aquatique, tu te mets en boule et ça te permet de rester sur le dessus de l'eau et d'avancer. Ouais. Donc, pour ça que je l'ai pas fait. Et puis voilà, du coup, bah là. Dick. Alors je vais être vilain, je vais bousiller la planète. Cuivre. Même si on voit qu'il y a du minerai, bon là c'est du charbon, mais bon. Oh, un village champignon. Ah là 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 là. Qu'y a-t-il au fond de ces océans ? Pour le moment, j'ai pas eu trace de civilisation. Ne t'inquiète pas, des modules pour améliorer. Je vais t'en ramener encore. J'en ai combien là ? J'en ai 4. Une forme elle est naturelle là au fond de l'océan. Pour le moment, j'ai que puik. Je vois les jolis coraux et tout. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Non, je serais tombé sur une planète complètement naturelle. Alors, je peux pas dire morte parce que évidemment il y a de la vie, mais sans structure intelligente, rien. Il n'y a pas de bâtiment ou de structure artificielle que puik. Ah, sans colonisation. Ouais, ouais. C'est ça. C'est la misère. Mais t'as même pas d'animaux et de bestioles ? Si. Ah. Là, j'ai plein de poissons. Je suis dans l'océan et ça grouille de vie à ce niveau-là. Mais pas un coffre, rien. Pas un bâtiment. Ah, c'est bon ! J'ai enfin... Ah, mais j'avais déjà fait le zouk. Merde. Je m'en souvenais plus. Mais j'ai déjà pillé l'endroit. Bon, bah voilà. Allez, allons à la surface. J'aime bien quand mon personnage nage. J'ai n'importe nawak. Didou di, didou da.
Bring, bring. Cette scène est surréaliste. Complètement surréaliste. Ah. Ah, je suis tombé sur un iceberg. Mais est-ce mon iceberg de départ? J'en suis pas sûr. Je dirais... Non, c'était pas mon iceberg de départ. Oh, le Nigo. L'autre, il a sauté pour essayer de me choper et il est tombé dans la flotte. J'en connais un qui va finir mort noyé. Que signifie, quelle est cette diablerie? Comment je défonce la glace? Moi j'ai fait le tour, j'ai rien trouvé. Moi j'essaye de retrouver un temple à Vienne. Non, il n'y a rien d'autre dans le truc. Ouais, bah je vais me barrer. L'autre qui essayait de me croquer le cul. Lui aussi, il va finir au fond de l'océan. La même blague. Eh bien. Et du coup, je suis quoi, système solaire? Ouais, je sais pas, je suis perdu. Alors, dangereux inexploré, dangereux inexploré, dangereux inexploré. Bah, je sais pas, je peux peut-être essayer de me faire un... Tiens, tiens, tiens. Il y a une idée qui me vient en tête. Je suis dans un système solaire où il y a une arche. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sous les arches sauvages? Je vais me faire ma boue collante. Non. Ah, t'as déjà essayé? Mais réessaye, hein. Peut-être que sous certaines, il y a des jeux. Mais... En fait, le truc, c'est ça, t'essayes sous une. Tu trouves qu'il n'y a rien, ok. Mais ça veut pas dire qu'il y aura toujours rien, en fait. Non, visiblement, j'ai que Puik, là. Non, non, c'est un astéroïde qui a été taillé par le dessus. Et rien d'autre. Ah, c'est quoi cette histoire de Volt Key? Mais oui, mais c'est vrai. On peut activer la porte avec une clé... je sais pas comment se traduit Volt en anglais. V-A-U-L-T. C'est coffre. Coffre-fort. Ah, c'est une clé de coffre, en fait. Mais c'est une quête en soi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que c'est juste que tu peux le faire, hein, c'est tout. Oui, mais il faut avoir la mais clé. Oui, il faut avoir la clé, mais la clé... Alors, après, qui te dit qu'on débloque pas des choses une fois qu'on a pas du tout le gros boss? Ah... Tu vois? Ce serait parce pour que... la dernière partie du jeu, ouais, la récompense. Ouais, parce que t'as la partie après, après la fin du jeu, même carrément, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est beau. Eh ben, dis donc. Et je vais essayer de me faire un champ d'astéroïdes. Dangereux, donc la menace est moyenne. Je vais voir si j'arrive à gérer la menace. D'ailleurs, en inventaire, j'ai combien? Non, j'ai rien, donc si je crève, je perds pas grand chose. Ah, ah, c'est des gros icebergs machins. Quand moi je vais devoir aller manger. Ok. Attends, attends, prends ton temps. Hein. Je suis. J'ai encore 2-3 petites choses à faire avant que ça arrive. Ah, j'ai cliqué sur. Je me dis, mais je comprenais pas, j'étais en plein combat, j'étais ramené à mon vaisseau. J'ai, comme un con, j'ai cliqué sur le bouton sans vouloir de rapatriement.
D'accord. Ah, triste. Non, mais c'est pas grave. Parce que le combat continue. Ils sont nombreux, les salopards. Oh merde, j'ai plus de jus dans le mecha. Il s'est pris tellement de bang qu'il s'apprête à exploser. On y retourne. Bah si ça s'utilise normalement, ça fait que le... renvoyer. Hein. Mmh. C'est pas facile de viser. Hein. Vache. Ah merde. Ah non là je peux plus là. Je suis mort en lévitation dans l'espace dans ma robe de mariée. C'est beau. Magnifique. C'est trop con, j'adore. Je vais finir de ranger, je pense à peu près 5 minutes et puis après... Ouais. Enfin, peut-être 2-3 minutes seulement et puis quand j'aurai fini... Ah ah ah! Attends, oh, j'ai gagné des pièces détachées et je vais les gober. C'est une putain de guerre. Hein. Je peux pas dire non. Voilà. Ah oui, il y en a d'autres forcément. Forcément. La jet toujours autant enterrée. Oula. Je viens de me prendre 9999 points de dégâts. Tout va bien. Ils sont pas faciles, hein, les loustiques. Mais je reconnais que je gère mal le mecha. Ah. Il est où lui là? Il est là. Il se rue sur moi. Donc en animal, il y a la poule robotique, le mushi, le flufalo, le fire, le poison et les... Ah, arriverai-je au météore? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'était une mine. D'accord, tout va bien. Ah, je connaissais pas. Allez, il me reste plus qu'à donner les objets aux sages. Mmh. Bah, je suis dans mon vaisseau, vas-y, rejoins-moi dans mon vaisseau et puis tu vas pouvoir me. Puis on coupe. C'était rigolo. Ouais, c'était bien aujourd'hui, la vache, 100% action, un truc de fou. Ah oh là 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 là. Et la poésie de ce jeu de maintenant, module. On peut décrypter et les messages. Le meilleur chapeau du monde. Merci. Oh mon dieu. Oh non. C'est la banane, c'est la banane. Alors la banane, alors je suis la banane ailée. Je savais que ça te plairait. Ah ouais, je suis la banane ailée qui va aller se marier. Faudrait pas se faire une chanson délire. Dali dali di oulou, you. C'est n'importe nawak, ouais. On est tous cinglés, oh yeah. Bon, bah bien joué, merci. Ah, chapeau du Burn. Du Burn. Stephen Burn. Non. Bien joué, Olive, pour la pêche. Eh bah, c'était ouais, cool, merci, petit Seb. Ah, ah là là. Dans mon vaisseau, pour ouais. Finir. Ah, tu peux. Allez, moi je quitte proprement. Ah, c'était bien, merci, c'était cool. Ah bah, il t'a quitté, ça m'a envoyé à mon vaisseau. Ah bah comme ça, tu vois, la violence de l'expulsion. Ouais, je pose l'insecte que j'ai là. Chez n'importe Nawak. Yay. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là pour ce matin, la matinée de jeu. Merci à toi, petit Seb, de m'avoir accompagné.
toujours et encore dans ses aventures intergalactiques. C'est Sharky Bow. Merci pour la modération, Fun Fan, Aerostar. Très bien. Très bien, Momoka vient de lancer. Eh ben, c'est tout trouvé. Moi, je vais faire mon relais de chaîne à Momoka. Eh ben, c'est parfait. Toi aussi, tu vas aller voir Momoka. On adore Momoka. Tuc. Surtout que c'est très posé chez Momoka, c'est relax, ça fait du bien. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont passés, hein. Des bisous à tous, bon appétit, tout ça. Et à très bientôt. Bonjour Momoka. Salut, salut. Ciao, ciao. Alors, relais de chaîne Momoka, bon. On va faire raid. Momoka. Envoyé dans 3, 2, 1, parti. Ouais. Youpi. Ouais, bien joué, petit Seb. Ibi. Ouais, c'est bien. J'ai l'impression que tout le monde arrive en même temps chez Momoka, donc c'est bien, Momoka est apprécié. Bon, je vais vous faire un aveu pour ceux qui regardent mon antenne. Je l'ai au poignet, je sais pas si ça se voit. Voilà. Vous savez, c'est le gadget à 20 euros là que je vous avais dit que je m'achèterais pour les pas et la. Voilà, tiens, regardez, aujourd'hui j'ai fait 318 pas. Bon, je la monte à l'envers, hein, pardon, je vais pas me tordre le poignet, mais. Vous aurez compris le truc. Et voilà, j'ai fait 0,22 km dans mon logis ce matin, depuis que je l'ai au poignet. Elle va nous servir pour les promenades et avoir des stats. Donc ça y est, c'est bon, je l'ai. Je vais apprendre la semaine prochaine à la configurer dans le détail. Elle n'est pas à l'heure, hein. Elle me dit, on est le 1er janvier à 15h25. Donc le truc, complètement délirant. Je ferai ça la semaine prochaine. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Je préfère ça que être géolocalisé en direct avec le téléphone, tu vois, avec les applications gratuites qui te bouffent, qui te shippent tes données en échange, tu vois. Donc, non, c'est sympa le truc, Olive. C'est rigolo. Il y a des petits capteurs qui te prend la tension artérielle, c'est sympa. Allez, prenez soin de vous, bisous, on a zappé chez Momoka. Et merci à ceux qui me regardent en différé sur YouTube, dans les archives. Prenez soin de vous, bisous. Suite au prochain épisode. Haha. Quelle va être la fin de Starbound? Même moi, je suis intrigué. Ah, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus, je ne sais pas. C'est surtout ça, parce que j'ai jamais vu la fin, moi.